Voilà, partagez, partagez maintenant. On va attaquer le sujet qui fâche. On va attaquer le sujet qui fâche. Donc, partagez au maximum. Maintenant, nous allons tous découvrir une autre Nicole. Après avoir bravé tout ce qu'elle a bravé, la Nicole de la toile, la Nicole que nous aimons, la Nicole que nous n'aimons pas, ce soir, nous avons la priorité ou alors la possibilité de lui dire ce que nous pensons, mais dans le respect. Et elle aussi, elle va nous expliquer dans le respect le fond de sa pensée, de sa motivation dans ce qu'elle fait sur la toile. Donc, partagez, partagez, partagez. Partagez. Oh, big up à la bigressée, Patricia. Je sens que tu sors du boulot à la bique. C'était un week-end de travail, je t'ai pas vu tout à l'heure. Bon. Ah ben, tu sais que tu as toujours la priorité dans mes directs. Mais ça, c'est le direct de Nicole. Tu ne viens pas ici apprécier le tatouage de Nicole. Monsieur Honnet. Monsieur, tu ne viens pas ici apprécier le tatouage de Nicole. Vraiment. Ça va, mon frère, c'est comment? Là, tu sais que toi, tu me connais. J'ai vu Nicole Ketchak tout à l'heure. Non, Elle se maintenant, vend Nicole, Nicole. justement, Nicole était là pour nous expliquer son. Je crois que la prochaine émission, je devrais même te prendre pour que tu nous expliques ton Boza aussi, Mais hein. oui, non. Non. Ok. Je crois qu'on Il y doit, avait on doit. les vraies questions. C'est parce que je suis arrivé un peu tard. Parce que, bon, comme je navigue Exact. beaucoup plus sur TikTok maintenant que sur Facebook. Non, on va programmer ça vraiment. Parce qu'il y avait les Surtout questions que je entre voulais nous. poser. Parce que Nicole ne nous a pas demandé. Elle ne nous a pas dit si on l'a dans le désert là-bas, ce n'était pas facile. Tu sais. Mais voilà. Entre vous, les Les... gens du Beaux-Arts. Voilà. Mais là, maintenant, on va parler de la vie de Facebook de Nicole. Elle est partie où? Non, j'ai juste voulu relancer le direct. Ah, ok. Que C'est le prêtre qui était là. Il le premier, on n'a a quand même pas même fait demandé au environ 3 heures. prêtre. Vous n'avez pas demandé au prêtre s'il était marié? Au prêtre, Ouais, non. c'est un pasteur. Ah, c'est un pasteur s'il était marié. Parce que les pasteurs d'aujourd'hui sont dangereux. Il va revenir tout à l'heure, tu pourras lui poser la question. Voilà. Tu es grave, toi. Donc, en attendant, on fait un tour de partage, s'il vous plaît. Parce que maintenant, quand vous aimez le Japap, Nicole va nous Vous parler. aimez le Japava, tu as Nicole va nous quelqu'un parler de avec? son Japap. Pourquoi? Quel que soit ce qu'on lui dit, sur certaines personnes sur la toile, elle a dit qu'elle ne change pas d'un iota. Je ne sais pas ce que tu en penses, avec amer. Non, mais le problème, c'est que bon, les gens doivent comprendre que c'est pas tout le monde. Tu sais, je me rappelle ce que la veuve Joyeuse avait dit. La veuve Joyeuse avait dit qu'il n'y a pas de paix sur la toile. Elle avait raison. On n'est pas obligé d'être amis avec tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont envie de les clasher juste comme ça parce que tu vois leur tête, ils ont une tête qui fait marrer. Ils ont... Voilà. Mais on peut pas. Il y a certaines personnes, tu peux pas t'entendre avec. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont tellement jaloux. Ils ont tellement vraiment la dégaine de la jalousie que tu te poses des questions, tu te dis que mais c'est pas possible. Comment quelqu'un peut être aussi jaloux, aussi mal élevé, tout simplement parce qu'il n'aime pas Messan, ou bien parce que Messan a une voiture, ou bien parce que Messan a montré qu'il avait posté un X ou un Y. C'est ça. Et à partir de là, des gens dont il ne peut pas avoir de paix. Il y a beaucoup de blogueurs dans les réseaux sociaux que bon, ils me font marrer. Parce que normalement, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de. Où tu arrives à la cible et tu commences à graffer tu commences à faire ta communauté, tu commences à créer ta communauté. Mais c'est toujours les mêmes histoires de sang calé son matin, midi, soir. Deux fois, à la longue, tu te Donc, si demandes. je te comprends bien, tu fais partie de ceux-là qui diraient à Nicole qu'elle ne laisse pas la bagarre.
Ah non, zéro. Zéro faute. Bon, voilà, Non. Nicole est la mère caméra. Tu disais, tu parlais de ses Ouais. tatouages tout à l'heure. Elle est mariée. Est-ce que moi, j'étais Laisse, un gars de Nicole Bertrand, j'étais maintenant, là-bas. entre vous, les beaux ailleurs, ça devrait donner, quoi. Ils ont Non. l'avantage qu'on a Non, toujours. non, 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 On non, a la non, 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 priorité. On non, quand sait je dis donner, jamais. pas dans le sens de. Je dis, vous devez vous comprendre dans les réflexions, pas dans le sens de l'autre côté, là, non. Puisque Non. je viens de dire que Nicole, c'est une femme mariée avec enfant. Mais Moi, je n'ai pas je dit que veux dire j'étais que sur dans le la mariage. réflexion, parce Je que n'ai pas dit que je cherche le j'expliquais mariage. Je n'ai pas dit à que. même Kamel, avant que tu ne viennes, que tu es tellement catégorique sur ta façon de penser. Et je lui ai Oui. demandé qu'est-ce qu'il en pense et tout. Voilà, il me dit, il fait partie de ceux-là qui disent que la, il ne doit pas avoir de paix sur la toile. Mais c'est normal, c'est ça. Zéro paix en Facebook. Non, on dirait quand même que ce côté-là, vraiment, il paraît que le côté, les beaux ailleurs, là, ils sont trop, c'est même pas têtu, mais ils sont durs de la tête. Hein. Mais Ah bien ça, sûr. Bref, je n'entends pas Nicole, c'est pas ça cela que te je mûrit parle, je non, dans la l'entends tête, ça pas te du tout. mûrit. Tu deviens du seul, donc. Tu mûris dans ta tête encore, tu vois un peu, c'est ça. Nicole, je ne t'entends pas. Mais nous, Attends on ce que l'entend je vais très bien. faire. Hein. Peut-être c'est à cause de ton casque que nous, on l'entend. Ouais, attends un peu. Mais Attends. vraiment, Nicole, ce côté de beaux ailleurs, là, mais. C'est-à-dire, c'est parce que vous avez tellement souffert que vous êtes très dur, ou Bien bien sûr, c'est. tu as vu la souffrance et tu n'aimerais pas que une personne te piétine, en fait. Mon Dieu. Parce que vraiment, tu es. Là, je vais mettre trois personnes en même temps sur le plateau. Hein. Ça veut dire que si, pendant que tu nous parles de ton histoire, parce qu'il y a le pasteur qui a dit, avec Amen, le pasteur est là, toi-même, tu vas lui poser la question, je vais le faire entrer. Ouais, Le pasteur est reparti, sa demande est repartie. Parce que Amen, quand même, posait des questions. Voilà, je vais prendre le pasteur. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est la souffrance que vous vivez tout au long de votre semaine là qui vous rend comme ça, que vous comprenez bien rien. sûr, Mais bien sûr, évidemment. que tu deviens dû mentalement, hein, c'est pas. Tu le blagues C'est même même pas, plus tu le que blagues pas. c'est Mais même plus que le ça mental, veut ça dire que vous ne dépasse. connaissez plus le pardon, vous ne savez plus pardonner. Non, Non, tu peux ce n'est pas pardonner. qu'on ne sait pas pardonner. Tu peux pardonner, Ce n'est pas mais. qu'on ne sait pas pardonner. On est rancunier. Et on est dur. Ça te protège, toi. Parce que moi, je ne peux pas venir. En aventure, ça va très vite. Tes amis d'aujourd'hui sont tes ennemis de demain. Et tu le constates très vite. Ça dit, ce n'est pas. Ça dit que toi, tes réseaux sociaux, tu le vis en direct. Donc, quand tu as eu un parcours comme ça pendant 1, 2 ans, ou bien certains 9 mois, certains 6, 7 mois, tu es quelqu'un d'autre. Vrai. C'est-à-dire que tu peux plus être pareil. Tu peux plus. Parce que capable de supporter certaines choses que celui qui n'a pas fait, ça ne peut pas. Moi, avant de sortir du Cameroun, j'avais peur des cadavres. Quand je voyais quelqu'un m'en aventure, ça ne te dit rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le corps d'un chien et le corps d'un être humain. Il n'y a pas de différence. Tellement Wow. tu as vu des choses, tellement tu fais des choses, tellement. Et ce n'est pas comme ce qu'on raconte même souvent à la télé, là, c'est du n'importe quoi, deux fois. C'est parce que les gens ne veulent pas tellement raconter leur véritable histoire du Boza. Parce que si quelqu'un te raconte son histoire du Boza, tu vas rester comme ça, tu vas le prendre pour. C'est-à-dire que. Amer Mais Kamer, j'ai une c'est. question à te poser, mon frère. Oui. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Yeah. Oui. Bon, vous n'allez pas changer le direct de Nicole, s'il vous Non, non, plaît. non. Non, on va pas changer. C'est la deuxième partie. C'est ma Ok, femme. Mais je en tout veux. cas, c'est le Hey, Amer pasteur. Kamer, pardon, arrête ça. Allez-y, posez votre question. Quel est l'esprit du bosailleur quand il arrive là où il partait? Quel est, d'abord, pourquoi le bosailleur partait là où il allait? Et une fois qu'il arrive, quel est son esprit? Quel est l'esprit qui l'anime? Bon, beaucoup ne peuvent pas souvent dire la vérité. La plupart partent par jalousie. La plupart partent bon, parce que le père a vu son ami est rentré, il a construit une maison à son père, tu veux faire pareil. Ou bien le gars débarque avec son Mona Métis,
ta copine est venue en Europe, tu as vu comment la vie de ta copine a changé, tu veux faire pareil. Et je peux te garantir que 60% des Brésiliens connaissent au moins quelqu'un qui est en Europe. Bon, ceux qui partent parce qu'ils sont pauvres sont peu. Mais par contre, quand on part du Cameroun pour le Bosa, on est bien. Mais c'est une réalité où tu vas te trouver, tu es ton père, ta mère, tu es tout toi seul. Ça veut dire que tu ne peux compter que sur toi. Et comme tu peux être vendu à tout moment, comme toi aussi, tu peux entrer dans un business aussi pour faire du mal à quelqu'un aussi pour évoluer. Bon, maintenant, Grand frère me sent. Fabien, oui. Grand frère me sent. Oui. Je voudrais. Je ne suis pas un bon pasteur, comme les gens l'écrivent. Je ne suis pas un bon pasteur. Que cela soit su, n'écrivez. Je ne veux pas qu'on m'appelle bonbon pasteur. Je ne suis pas Camille Makosso. Je ne suis pas. Ne me OK. confondez pas, s'il vous plaît. Je Oui. crois que vous avez compris, s'il vous plaît. Moi, je vous ai dit Merci. tout à l'heure, vous avez bien écouté ce que j'ai dit. Moi, j'ai reçu une éducation chrétienne et j'ai du respect pour tous les hommes de Dieu. On peut ne pas s'entendre sur certaines choses, mais le simple fait que ce soit un homme de Dieu, je voudrais que le respect que j'ai pour ces personnes, que vous aussi qui me suivez, s'il vous plaît, quand on a un homme de Dieu sur la place, essayons de l'écouter. On n'est pas obligé d'accepter ce qu'il dit, mais on peut discuter et puis de façon polie, quoi, mais pas en donnant des épithètes qui sont pas, qui ne vont pas avec la personne. Surtout que demain, c'est dimanche. S'il est encore à 7 heures avec nous, c'est parce que justement, j'ai l'impression qu'il veut passer une bonne parole. Et c'est ça aussi son travail. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut respecter les positions de chacun, même si on n'est pas d'accord sur tout ce que, sur tout ce qu'on peut discuter, quoi. Donc, voilà. Merci. Voilà. Donc, parce que c'est bon avec Amer, je peux commencer avec Nicole? Oui, non, je voulais dire à Amir Kamer que, en Oui. fait, ma question, quand je demandais le but, quand quelqu'un bosa, c'est parce qu'il veut gagner, c'est parce qu'il veut, comment dire, concrétiser, il veut faire comme a fait le champion du monde, Francis Ngannou. C'est ça qui est dans le cœur des bosailleurs en général. Ouais. Ils veulent venir tout déchirer, ils veulent prendre ce qui est ici. C'est pour ça qu'ils sont venus. Donc, c'est pour rejoindre, c'est pour entrer et tomber sur Nicole Kitcha directement, qui est là pour une bonne raison. Il ne faudrait pas que elle soit distraite ici, dans sa vie Facebookale, sur des choses qui ne sont pas son vrai but, la raison pour laquelle elle a risqué sa vie. C'est la question que je posais, et c'est là que je voulais en venir. Et je fais la passe au grand frère. OK. Merci. En tout cas, une fois de plus, merci au pasteur, merci pasteur d'être encore là. Comme je le dis, moi, je respecte le programme des hommes de l'Église. Je sais ce que c'est. Je suis passé par là et quand il y a, vous voyez quelqu'un qui passe sa vie, comme on dit vulgairement dans la sauce de Dieu, il faut respecter cette personne, quelle que soit sa position ecclésiastique, pasteur, prêtre, je sais pas, imam et tout ça. Je crois qu'il faut respecter tout ça. Donc, merci encore d'être là et j'espère que tu apporteras peut-être des mots tout à fait apaisants tout à l'heure dans ce direct. Parce que moi, je dis encore, j'aime ça. J'aime des bonnes personnes et qui ont un message assez clair. Donc, voilà. Nicole, tu m'as Oui, expliqué, c'est ça. comme je t'ai dit tout à l'heure en commençant l'autre direct, je ne suis Oui. pas ton papou à cet instant précis. Je suis Monsieur Bessard qui C'est ça. voudrait un peu Bien sûr. savoir, Bien sûr. voilà, qui voudrait un peu savoir ce qui se passe sur la toile avec toi. J'ai regardé beaucoup, pas mal de tes sorties sur la toile. Et Ouais. je veux dire, vraiment comme le follower lambda, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde comme ça en direct, il y a des fois tu vois, qui est très très dur. Ouais. On va pas parler dans la langue de bois. Il y a une personne qui est très, très, c'est-à-dire, c'est comme si tu vivais avec cette personne, et je vais la citer, Lolo Fodja. Je ne Dans sais Lolo. pas, voilà, pourquoi, comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'est de la haine? Est-ce que c'est de la méchanceté? Qu'est-ce que tu ressens déjà pour cette personne?
Et pourquoi tu n'es pas prête à changer ta position par rapport à la façon dont tu traites cette personne dans les réseaux? C'est quoi ta motivation profonde? Qu'est-ce qui t'a autant blessé que tu ne peux pas comprendre les conseils qu'on pourrait te donner? Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. C'est comme si le direct était attaqué. S'il vous plaît, envoyez les cœurs. Nicole. Parce que cette femme, j'ai soutenu quand elle était dans le noir, quand elle avait arrêté au Cameroun, j'appelais chez le Morgué pour la soutenir. Quand je suis sortie du noir, j'ai commencé à faire mes petits directs et qu'elle avait fait une émission d'une femme qui avait escroqué l'argent des femmes au Cameroun pour leur donner le blanc. J'ai vu sa sortie, ça ne m'a pas plu. Donc, il y avait une dame qui était venue dans son vieil. La dame a pleuré qu'elle avait donné 800 000 à la dame là et puis on devait opérer son enfant et elle n'avait pas l'argent. Et ce jour, monsieur Messan, vient l'appeler parce que je ne peux pas l'appeler par son nom. Hein. Je vais m'en appeler que l'on. Attends, Nicole, s'il te plaît. Nicole, s'il te plaît, je te l'ai dit. Je voudrais, s'il te plaît, vraiment, par respect pour moi, s'il te plaît. C'est-à-dire parce, c'est une exception. Parce que Jean ne veut pas te dire que c'est sa complice. Comme tu vois là, hein, Nicole, c'est sa personne aussi. Ils étaient avec toi. Je ne veux pas l'appeler par son nom. Parce que je ne voudrais pas que, si tu ne veux pas prononcer son nom, il ne serait-ce que la femme là, mais je ne voudrais pas que tu les dises dans le direct. Mais tu peux nous dire exactement ce qu'elle t'a fait et qu'est-ce que tu lui reproches et pourquoi tu es mal. Mais vraiment, évitons les insultes, s'il te plaît. Ok. Le jour là, la dame est passée dans son direct. La dame a dit qu'elle devait opérer son enfant, elle n'avait pas l'argent. Ce jour, elle a eu beaucoup d'étoiles et la dame l'a pleuré en plein direct. Je m'attendais voir une maman qui a la compassion pour une maman qui vient pleurer pour dire qu'on a escroqué l'argent de son, on a escroqué l'argent parce qu'elle voulait aussi le blanc. Et puis, il y a son enfant qui est à l'hôpital, qui doit être opéré. Donc, elle n'a même pas eu l'idée de dire que, cotiser même l'argent pour donner à cette dame. Mais les gens ont cotisé plus de 40 000 étoiles. Elle a mis ça dans sa poche. Elle n'a pas parlé contre cette dame-là. Alors qu'elle a profité des histoires de ces gens. Après, le lendemain, j'ai fait un direct. J'ai eu mon mécontentement. J'ai reçu mon mécontentement. On est parti lui dire que j'ai fait un direct contre un plat flashé. Elle est rentrée du métier de l'éponge. Elle fait un direct. Elle me dit que oh, la fille qui est là-bas, la fille qui est en Italie, là, tu fais un direct sur moi, que tu m'as fait. Tu pouvais venir me voir pour que je te fabrique. J'ai vu la façon où elle m'a dit que mais. Donc, pour que toi tu me fabriques, je dois venir ramper derrière toi. Je dois venir ramper derrière toi. J'ai dit que tu mens. Je ne peux pas accepter ça. Après, elle commençait à faire mes directs. C'est Pipi Mania. On commençait à caricaturer mon enfant. Ma fille était caricaturée. Mon mari était caricaturé, mon ventre a été caricaturé et tout et tout. Elle n'a même pas pensé pour dire qu'un seul jour, je l'ai soutenu. Pour couler le tout, elle a publié ma feuille grand-mère et qu'elle a mis sur sa page à cœur ouvert. Je suis partie, j'ai vu, il y avait des insultes. C'est-à-dire qu'elle dit que comme elle a publié ma feuille grand-mère, je ne peux jamais la pardonner tant qu'elle ne me demande pas pardon à Jésus sur Facebook. Sans toutefois te couper, Nicole. Parce que moi, je suis contre toutes les publications. Tout le monde sait sur la toile. Là. Papa, mais ça peut te montrer. J'ai toutes les captures d'écran. J'ai les preuves. J'ai voilà, tout, je voulais tout vraiment te demander, je voulais te poser la question. Tu es sûr que elle, sur sa page Lolo, pendant un direct, elle a pris ta maman et ta grand-mère, elle a publié? Non, quand le faux profil à Lolo La Puissance a publié, il a identifié à l'intérieur. En tant qu'une blogueuse, elle devait dire que non, enlever ça. Il a identifié cette femme. Ok. C'est-à-dire qu'elle a consenti ce que le faux profil a dit. Parce que même si on regarde la cybercriminalité, elle cause avec son faux profil. Parce que le faux profil avec elle depuis des années, c'est son faux profil depuis des années. Elle cause dans les e-box ensemble. Il a identifié. Ok. Mais est-ce que tu es reparti puisque avant, vous entendiez bien, quand il y a eu ce désagrément-là, est-ce que tu lui as écrit une box, Parce que c'est quand l'affaire de Mars est venue sur la toile et que j'ai vu que
qu'on était en train de vouloir manigancer, on était en train de salir les mains de Marco. J'ai vu que c'était faux. J'ai décidé de supporter, de soutenir Marco, maman Pépé. Que ça a commencé, qu'ils ont commencé à publier ma famille. Ok, je peux comprendre que, parce que tu es très, le peu de temps que je te connais, je sens que tu es très lié à l'histoire de ta grand-mère. Vraiment, je sens, j'ai l'impression que ça t'a vraiment touché. Mais je veux dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vraiment, comme on emploie le terme de Facebook, on est sur Facebook, la façon que tu l'as déjà traité, tu ne crois pas que tu as déjà trop fait, qu'il faudrait passer à autre chose. Monsieur Métan, j'ai mes parents commencé. J'ai dit que tant qu'elle ne me demande pas pardon à genoux, je ne la laisse pas. Je n'ai pas encore commencé. Je dois traiter cette dernière parce qu'elle a l'habitude de le faire. Étant donné que non seulement c'est ton aîné et tu as travaillé, si je puis dire ça comme ça, avec elle, est-ce que vraiment, tu ne penses pas que, c'est pas moi, comme je te le dis en inbox, tu ne penses pas que tu dois passer à autre chose parce que... Jamais. Elle n'a pas encore vu le dossier, elle ne peut pas passer à autre chose. Le problème, c'est que Nicole, comme tu vois là, mon frère là s'entend avec Lolo bien même. Nicole, moi, je peux te dire quelque chose, parce que Amer Kamer te parle à l'oreille gauche, je veux te parler à l'oreille droite. OK? Je ne te parle pas par rapport à Lolo et au problème que vous avez. Ça, c'est entre vous. Ce que je veux te dire, c'est je te parle de toi-même. Une fois, quand tu auras insulté cette femme et que tu l'as... Je ne l'insulte pas. Comment sans oublier, Marco. Excuse-moi. Je n'ai jamais insulté. Ces derniers m'ont traité de Dakar. Je n'ai jamais insulté. Comment tu vas faire pour lui répondre, pour lui faire mal, sans l'insulter? Puisque c'est vraiment virtuel. Pourquoi on avait dit c'est ici-là? On va se retrouver à Paris. La technique. Tout à fait. Attends. Donc, tu veux sortir du virtuel? Tu veux sortir du virtuel pour entrer parce dans le réel? Parce qu'elle m'a dénigrée en tant que femme. Elle m'a insulté de l'Isaka. Elle m'a traité de la saleté de l'Italie. Elle m'a traité de tous les noms. Je dois sortir du virtuel pour la réalité. Parce qu'en tant que femme, D'accord. Mm-hmm. Combien de gens, Nicole, t'ont insulté Isaac Ham ou saleté d'Italie? Combien de c'est gens? C'est elle qui a mis le nom là. C'est elle qui a mis ce nom. Je dois la traiter de la plus bonne des manières. Je dois la traiter dans la plus bonne des manières pour qu'elle n'insulte plus les gens. Mais, je dois sortir du bouquet avec elle. D'accord. Donc, combien de gens t'ont insulté de la sorte? C'est elle qui a mis ce nom. C'est elle qui m'a donné ce nom-là. Le problème, c'est que dans les réseaux sociaux, on traite le problème à la racine. C'est elle qui m'a donné ce nom-là. D'accord. Donc, c'est parce qu'elle t'a donné ce nom que tu vas sortir du virtuel pour le réel. Après, elle a publié ma famille, elle a publié ma soeur grand-mère. C'est ça qui me fait encore plus mal. Exactement. Oui. Donc, si un jour il y a une... Si... Ah, merde. D'accord. Si un jour il y a une repentance d'un côté comme de l'autre, parce que je suis sûr que mais est-ce que l'on Lolo c'est pas une insulte? C'est pas moi qui lui ai donné le nom là. Je te demande si c'est pas une insulte. C'est pas moi qui lui ai donné ce nom. C'est pas moi qui lui ai donné ce nom. Le nom est plus joli que le personnage. Ce n'est pas moi parce que c'est pas moi qui lui donne ce nom. C'est quelqu'un d'autre qui lui donne le nom. Nicole. Oui. C'est pas toi qui as donné ce nom, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que l'on Lolo, c'est une belle parole à dire à quelqu'un? Oui, oui. Je trouve. Parce que on l'appelle Lolo à cause des seins. Moi, j'ai gardé les seins là de trop près. Sinon, on ne doit pas appeler. Non. On doit changer même le nom là. On a même dit même Bobita en avant, tout comme ça. Mais monsieur, mes amis, parce que je me freine, mon frère. On est dans le game de Facebook. On est dans le game de Facebook. Quelles sont les règles du game de Facebook, ma soeur Nicole? Elle est sortie hors game. Ils ont publié ma femme. Dans le game de Facebook, on doit se dire les mots. Quand on dit game, c'est qu'il y a les règles, non?
Quelles mais, sont les règles, règles, mais, c'est elle qui a, mais c'est elle qui a commencé à publier ma famille. Quand ils viennent de mais elle a publié ma famille, ils ont publié ma famille. Ils ont donc, ton combat, Nicole, ma fille de 3 ans était passée, elle était caricaturée dans les pages. Nicole, ça veut dire que ton combat, ce n'est pas la défense de Flore, mais c'est l'attaque de Lolo. Carrément. Non, ce n'est pas son combat. Non, 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 non. Son mais combat, c'est protéger sa famille. Mais je pense que c'est quand j'ai commencé à défendre ma faute qu'ils ont commencé à m'attaquer, à publier ma famille. D'accord. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu es encouragé dans cette démarche, là, Nicole, à peut-être la retrouver sur Paris pour gérer ce problème? Vous dites quoi, Pastor? Est-ce qu'il y a des gens qui t'encouragent dans cette façon de penser? Je suis majeur. J'ai 35 ans. Moi, je l'encourage. Si tu ne savais pas, moi, je t'encourage. Avec la tête. Donc, moi, je suis majeur. Moi, je suis bien 35 ans. Donc, je sais ce que je sais. Non, mais Nicole, tu sais, même le pasteur est entouré d'un conseil d'anciens. Le président est entouré du conseil de ministres. Toi, tu as 35 ans. Il y a des gens qui t'entourent et qui te donnent des conseils. Mais il y a un qui me dit que non. Il y a un qui me dit que je laisse, mais il y a un qui dit que je ne laisse pas. C'est tout. Voilà. Bon, ceux qui te disent de laisser, Nicole, est-ce que c'est parce qu'ils te détestent? Je sais, mais j'ai dit que je ne laisse pas parce que ceux qui te disent de ne pas laisser, est-ce que c'est parce qu'ils t'aiment, Nicole? Elle a l'habitude de le faire. Tout le monde a l'habitude de le faire. Elle a l'habitude de publier les familles. Si elle veut que je sois une voix, elle a dit ceci. Qu'elle va sortir sur moi, va caricaturer mon enfant et mon mari. C'est ce qu'elle a dit. Elle a l'habitude de le faire. On doit la traiter. C'est clair. Cette femme est haineuse. C'est clair. Elle m'a dit qu'on est. Sans toutefois te couper, Nicole. Amen, Kamer. Je t'ai entendu interrompre le pasteur tout à l'heure. Mais quand même, pourquoi tu encourages Nicole? J'encourage Attends. Avant même de te poser cette question, tout à l'heure, tu as dit à Nicole que mon frère que tu vois là est ami avec Lolo. Tu te bases sur quoi tu peux dire ça? Mais je sais pourquoi je dis ça. Parce que si on t'invite dans un plateau télévision, on a en train de dire qu'on a, où Lolo est là, toi-même tu es là. Et juste avant, vous faites même les calais, vous parlez, vous rigolez même ensemble. Mais nous, partisans de la TKC, nous n'avons pas bien vu ça. Oui, tu dis la vérité, nous n'avons pas bien vu Amen, Kamer. Toutes les personnes que tu rencontres sur un plateau télé sont tes amis. Ah non, vous êtes allés ensemble parce qu'on nous a dit que vous n'avez plus le même taxi. On n'a plus le même taxi. Oui. Nous, on a le Congo, ça, c'est ça. Hein. Je te rappelle qu'après cette émission, j'ai pris ma voiture. Je suis rentré chez moi. Aïcha Sol sait très bien que... Ce n'est pas ce que nous, on nous a dit. On nous a dit que vous êtes dans le même taxi. Écoute, Amen, Kamer. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Tu sais bien que... Je vais te dire une chose, Amen, Kamer. Mais tu te retrouves dans un plateau télé avec Lolo. Nous, on n'a plus comme un hypocrite. Moi, je t'ai dit la vérité. Si les gens ne veulent pas te dire, ça va te dire la vérité. Alors, je vais donc vous dire la vérité ce soir. On en profite pour parler de ce plateau télé. Aïcha Sol, qui m'écoute très souvent, pour qui j'ai beaucoup de respect, avec tout son plateau d'ailleurs, écoute-moi très bien comment ça s'est passé. Et c'est ça la vérité. Parce que les sous-entendus que tu as là, on n'a plus le taxi. Moi, je ne prends pas le taxi. Écoute-moi, je ne prends pas le taxi à Paris. Je viens toujours avec ma voiture. Donc, je ne sais pas dans quel taxi on m'a mis. Déjà, tu es complètement à côté de la plaque. Bon, maintenant, la vraie histoire... Aïcha ne t'a pas dit qu'il y aura Lolo sur le plateau. La vraie histoire, c'est quoi? Laisse-moi maintenant expliquer. Au moins, tu auras la vraie version. On n'est pas sûr que c'est la vraie. Mais j'aurai ta version. Je suis en train de te dire que c'est la vraie parce que je suis persuadé que Aïcha Sol m'écoute et si elle n'est pas endormie en ce moment, elle peut demander à rentrer dans le direct. Aïcha Sol m'a invité, bon. Ok? Est-ce que tu m'entends, mec? Oui, je t'entends. Voilà. Je t'entends. Voilà. Et Aïcha Sol m'a dit, est-ce que ça te dérangerait que j'invite quelqu'un d'autre pour essayer d'avoir une discussion avec toi? J'ai dit à Aïcha que je n'ai pas de problème. Tu peux inviter qui tu veux. Elle m'a cité les noms que je ne voudrais même pas citer ici. Je lui ai dit, Aïcha, tu peux inviter n'importe qui et que cette personne vienne pour contredire ce que j'ai l'habitude de dire. On va échanger de façon très polie. Donc,
sur la tête de tout ce qui m'est cher, parce que moi, c'est tout le contraire des autres hommes. Moi, je jure d'abord sur la tête de ma femme, parce que c'est elle qui me donne le bonheur. C'est elle qui me donne les enfants qu'on a. Ce que tu as fait, si c'est pour te justifier, pour demander pardon, on a compris. Avec donc je te dis que quand je partais sur ce plateau, d'ailleurs j'étais avec ma femme, puisque après l'émission on a pris la route pour rentrer ici à la maison. Donc on était ensemble sur le plateau, mais elle était juste à côté. Je ne savais pas que c'est Lolo que j'allais rencontrer là-bas, ça c'est sûr. Je ne savais pas avant l'émission, mais quand je ne savais pas que c'est Lolo que tu allais rencontrer. Mais non, Amir, Samir, est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème. Parce que la donc, maintenant, Amir Kamel, laisse-moi donc finir. Amir Kamel, c'est compressant. Amir Kamel, laisse-moi finir. Si, écoute là où je ne sais pas pourquoi tu ne comprends pas. Que j'ai rencontré Lolo là-bas ou n'importe qui, je vais te dire une chose. Avant que Lolo ne devienne la Lolo qu'elle est aujourd'hui, c'était quelqu'un qui me tient très proche. C'était avant. Mais je suis en train de m'expliquer. Donc c'est quelqu'un qui me tient proche et c'est quelqu'un avec lequel on s'est séparé sans histoire. Je ne sais pas ce qu'elle me reproche. Je ne sais pas ce qu'elle elle ne m'a pas dit. Je me suis senti... Ah, c'est qu'elle vient de repousser quelque chose. Elle ne m'a rien dit. Hein. On a juste créé ce vide. Chacun a pris son côté. Donc, quand on s'est retrouvé là-bas, c'était très poli. Et moi, je n'ai pas un problème à rencontrer Lolo, que ce soit même demain. Je n'ai pas un problème à la rencontrer et dire ce que je pense. Normalement, parce que vous aviez au plateau télé, vous étiez quand même à l'aise. Ça dit qu'on dirait. Mais tu voulais qu'on fasse quoi? Quand ce matin, midi, soir. Amen. On a compris dans l'association que hein, nous, les membres de la TKZ, on a compris que non, le grand frère nous a trahis. Il a brisé le code d'honneur qui va au moins la moindre des choses en cas de caisse. On pourrait d'abord la famille. La TKC ne peut pas, ni personne. Quand quelqu'un est censé, quand quelqu'un réfléchit normalement et qu'on t'invite sur un plateau et tu rencontres des personnes avec lesquelles foncièrement vous n'avez pas de problème, mais physiquement vous vous êtes séparés, ces personnes ne te font pas peur et tu n'as pas honte de les rencontrer. Vous pouvez discuter, ne serait-ce que même pour renouer le dialogue et vous demander au fond qu'est-ce qui s'est passé. Parce que même sur ce plateau, j'ai dit à Aïcha et à tout le monde que je ne sais pas ce que Lolo me reproche, mais Lolo a juste dit qu'à un moment donné, elle a pensé que j'aimais plus ma soeur compresseur qu'elle. C'est ce qu'elle a dit. C'était tout. Donc, en fait, on n'a pas de problème en tant que tel. Donc, je ne sais pas pourquoi Lolo et moi, on n'a pas, par exemple, le problème qu'elle a eu avec Nicole. On n'a pas eu de publication. On n'a pas eu d'engueulade. On n'a rien eu du tout. Donc, je ne sais pas pourquoi je peux avoir honte ou peur. Lolo, je peux la rencontrer à tout moment. Et j'ai toujours dit ici sur la toile, quel que soit le comportement de Lolo, elle fait partie de ces personnes qui ont gardé le respect. Moi, je ne pense pas, je ne sais pas ce qu'elle pense après moi. Mais quand Lolo est en face de moi, il m'appelle Monsieur Bessan. Elle a toujours gardé ce côté. Maintenant, ce qu'elle dit après, franchement, moi, ça ne me dérange pas. Parce qu'en face de moi, c'est une autre personne que j'ai. Et c'est la personne-là que je respecte. Donc, je ne sais pas pourquoi tu peux penser que le fait de rencontrer Lolo soit un problème. Ah non, c'est un problème. C'est une trahison. C'est un problème. C'est ça. Parce que tu ne peux pas faire comme si vraiment tu ne sais pas qu'elle attaque compresseur matin, midi, soir. Amen. Vaisseau. Et en plus de quelle compression, elle est jalouse de rien que. Amen. Tous les côtés. Amen. Tu as tes amis à toi qui m'attaquent sur Facebook matin, midi et soir et que je n'ai jamais répondu. Et tu es très à l'aise avec eux. Si j'ai un ami qui t'attaque, dis-moi, j'ai un ami qui t'attaque, je le règle d'abord en deux. Comment il tourne pour deux du coup? Je suis en train de te dire que. Il y a des personnes avec lesquelles tu t'entends très bien et qui m'attaquent sur la toile sans toutefois les connaître. Je ne les ai jamais rencontrées. Au moins, Lolo, c'est quelqu'un qui a été très proche de moi. Elle m'a assisté à des moments très difficiles.
Donne-moi le nom d'une personne. Si tu me donnes le nom avant, moi, j'irai. On n'est pas. On est, non, je ne vais pas leur donner la tribu de ces personnes. Je laisse toujours ignorer. Je vais toujours les ignorer. Je ne donne pas la tribune à ces personnes. Mais je veux juste te dire que dans ta façon de penser, même ma petite sœur compresseur, elle ne peut pas me dire que rencontrer Lolo, c'est une trahison. Elle ne peut pas. Parce qu'elle sait que moi, je sais faire la part des choses. Les elle le sait. Ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Non, mais quand même, si tu dis ça, ça veut dire que tu es très faux. Parce que je peux te donner les noms là tout de suite. Qui sont tes amis et qui sont les ennemis de l'autre. Hein? Pour moi, ne tourne pas loin. Hein? Il te dit, je ne connais, je n'ai pas un quelqu'un dans mon entourage. Il dit, dans mon entourage, si je sais que quelqu'un te manque même de respect ou qui t'insulte, je le règle moi-même. Est-ce que tu vas tourner autour du monde? Non, mais quand même, tu ne peux pas dire ça. Si tu veux, on va tenir ce débat. On va tenir ce débat prochainement. Pour l'instant, on est là pour Nicole. Parce que ce débat-là, ce débat-là, je vais te dire une chose, tu vas sortir vaincu dans ce débat, mais très, très, mais alors hyper vaincu. Hein. Parce que moi, je ne me jette pas les fleurs à mes caméras. Mais sur la toile, malgré toutes les peaux de banane, je suis quelqu'un qui sait faire la part des choses. Parce que j'ai reçu une bonne éducation. Mais je peux être sauvage. Et je peux aller même très loin. Mais l'éducation que j'ai reçue fait de moi que... Ah oui, je vois le nom de Natacha de Monaco. Je vois le nom à l'agence. D'abord, je t'ai dit que je ne fais pas la tribune ici, mais tu es ami à des gens qui voudraient même ma mort. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous de ces personnes. Parce que c'est toi qui es mon frère. C'est ce que je regarde. C'est pour ça que je te dis que je fais la part des choses. Je ne regarde pas les à côté. Tant toi, tu vas me manquer de respect ou tu vas te comporter, je parlerai directement à toi, mais ceux qui sont à côté de toi, ça ne m'intéresse pas. Et c'est comme ça que ma petite soeur compresseur, elle est. Parce que même entre elle et moi, elle a des personnes dans son camp que ma tête n'aime pas et que moi non plus j'aime pas. Mais ce sont ses amis, je respecte. On ne parle pas de ça. Et c'est ça les grandes personnes. C'est ce qu'on appelle faire la part des choses. Il ne faut pas mélanger. Quand tu es ami à quelqu'un, c'est à cette personne que tu crois. Là, Nicole, c'est ma fille. Je ne peux pas connaître Nicole. Mais ça ne veut pas dire que tout ce que Nicole fait, je suis d'accord. Elle est majeure. Je peux lui dire de ne pas faire, mais elle va faire ce qu'elle a envie de faire. Mais grand frère, je me souviens, je suis tombé sur une vidéo où un jour, Nicole était très remontée contre toi. Elle marchait au bord de la mer ce jour-là. C'était avant. Je parle de ça, je parle de cet événement-là parce que... Oui, bien sûr. Bien sûr. Et je vais te dire pourquoi. Amère, je vois beaucoup de gens me dire que je ne suis pas dans mon milieu, je suis exactement là où je suis supposé être. J'avais vu cette vidéo sur Internet. C'est le mur du Monguier. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est pour dire. Et est-ce que tu sens que tu as trahi toi-même en causant ce soir avec le grand Messan? Est-ce que tu te sens t'être trahi toi-même? Non, parce que j'étais encore, je suis sortie, c'était le game de Facebook, non? On s'est remis, on s'est insulté, mais pas, je n'ai pas parlé de mauvais, comment on appelait avant. Mais après, j'ai découvert que les gens avec qui j'étais, ce n'étaient pas les bonnes personnes. J'ai demandé d'accord, pardon. C'est pas grave. Je voulais juste te dire, si en étant avec le grand Messan ce soir, tu ne trouves pas que tu t'es trahi toi-même par rapport à une position que tu avais il y a quelque temps. Pourquoi me suis trahi? Comment ne penses-tu pas que tu pourrais changer de façon de voir ta sœur Lolo? Non, est-ce que monsieur Messa a publié ma famille? Est-ce que ça attaquait à ma famille? Je ne connais pas le fond. Regarde, par exemple, ma maman peut-être que j'ai insulté dans le noir. Mais ce sont ces deux femmes-là qui m'ont tendu la main sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas publié ma famille. Tu as insulté aussi Mafo et Perpé. Oui, dans le noir, oui, quand ils étaient dans l'église de la haine. Partout. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tu sens que tu les as trahis? Hein? Trahis hein, qui? En tout cas, mère,
Je suis dans la Bible pour aider ceux qui sont dans le Congo. Excusez-moi, vous disiez, vous êtes dans l'église de la haine. Vous êtes ça. Vous êtes avec le manguier. Oui. C'est ça que on ne peut rien me dire ici maintenant. Là. Tant que je n'ai pas mis ça sur ma tête, je t'ai bouclé, n'est-ce pas? Oui. Ma soeur Nicole. Oui. Est-ce que tu as eu le temps parfois d'écouter mes interventions dans l'église que tu dis église de la haine? J'ai même pas le temps parce que ça m'intéresse même pas l'église. D'accord. Quand je vais dans l'église de la haine, comme tu l'appelles, parce que c'est pas comme mais ça. Mais l'église de la haine, non, pas, je parle de l'autre église. Hein. Il n'y a pas de l'église qu'on connaissait là, l'église du quand monde. Excusez-moi. Oui. Je voudrais juste dire, je ne fais pas la promotion de qui que ce soit ici. Et puis je voudrais juste dire une chose. Le pasteur, comme je le dis encore, un pasteur ne va pas là où les âmes sont sauvées. Un pasteur ne va pas chercher les âmes perdues. Exact. Donc, quand vous voyez un pasteur, un prêtre, un imam, je ne sais pas, ça ne doit pas aller. Ils ne sont pas venus là pour les gens qui sont déjà sauvés. Non, ils sont venus sauver les gens. Les prêtres aujourd'hui sont là. Donc, s'ils vont dans des endroits, comme vous dites là, c'est tout à fait normal. C'est leur travail. Amer Kamer, si j'étais dans le Congo, ça pour faire le Congo, ça, tu pouvais m'accuser d'être Congo, ça. Mais si je suis dans. Là, je suis là maintenant pour donner des conseils à ma soeur Nicole, par exemple. Est-ce que c'est le Congo, ça, que je suis en train de faire. Parce que je fais quoi, non? On est dans le game, moi, parce qu'on est dans le game. J'ai une question à te poser, Nicole. Oui, on ne peut pas conseiller une clasheuse. On ne la conseille pas. C'est comme une femme amoureuse. On ne peut pas conseiller. Tant que l'objectif n'est pas atteint. Écoute-moi, ma soeur. Tout à l'heure, le grand Messan a dit qu'il allait me reprendre dans le deuxième direct pour qu'on continue l'émission. Et tu as dit non, je ne veux pas qu'il revienne. Pourquoi tu l'as dit? Non, parce que ma femme est me convaincre. Dis la vérité. Non, ce n'est pas moi, elle dit que non, j'ai manqué le respect à un homme de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Dis la vérité, le Dieu qui du diable qui tue toi. Dis que parce qu'il traîne avec les gars du morgue, la bande des morgue, donc il peut venir prendre les rassures. Dis la vérité. Mais... le morgue, il y a la bande de morgue, il y a avec le gars qui est dans le noir, le dingo, celui-là qu'on appelle, c'est qui s'est exprimé dans le noir, qui m'insulte. Peut-être qu'on peut voir que... L'effet d'inviter Nicole ce soir... Sa misérable vie, le gars qui est dans le noir, qui m'insulte, sa misérable vie... L'effet d'avoir invité Nicole ce soir, il y a des noms dans ce direct que je n'ai jamais entendu chez moi. Les noms bizarres. Comment est-ce que vous pouvez porter des noms bizarres? Donc, en commençant ce direct tout à l'heure, le pasteur a béni mon direct. Quand vous venez avec des noms comme ça, des noms de valeur, vous voulez gâter mon direct, c'est comment? N'évoquez pas ce genre de noms ici. Nous sommes dans un monde de vivants. Nous ne sommes pas dans un monde de mort. C'est quoi mon problème? Vraiment. Okay. Parce que j'ai l'impression que le pasteur est venu endormir Nicole pour que Lolo puisse frapper Nicole de par derrière. Et nous, on a vu ça. Vraiment, il va m'endormir. D'accord. Écoutez, d'accord. Je vais vous dire ce qui se passe. En réalité, quand j'interviens à l'église, c'est pour donner des conseils en général. Je n'ai jamais encouragé qui que ce soit dans l'insulte, dans la rancune ou dans la haine. Jamais. Si vous recoupez toutes mes interventions, vous allez voir ce même message partout. Si j'ai été intéressé par ce message de ce soir, c'est parce que j'ai vu Nicole Kecha parler d'elle-même. Ce n'était pas le game. Elle parlait de sa vie, de son vécu. Et quand elle parlait, je ne sais même pas si quand elle va aller revoir son direct, elle va voir que son attitude était différente. C'est comme si elle revivait ce qu'elle disait quand elle parlait. Si tu observais la personne qui parlait, tu allais voir quelqu'un qui est dans le film. C'est pas la personne qui est en face de moi, maintenant. Maintenant, c'est quelqu'un qui est dans la peau de la clasheuse. Non, mais elle a mis son bouclier. Nicole, maintenant, écoute, sans vouloir t'interrompre, Nicole n'est pas une clasheuse. Nicole a ce personnage de clasheuse, mais c'est pas ce qu'elle est en réalité. C'est pas ce qu'elle est. Elle est une mère aussi à côté de ça. Elle est la femme de quelqu'un à côté de ça. Elle est une personne qui veut s'en sortir dans la vie et sur les réseaux sociaux, elle clash de temps en temps, mais ce n'est pas ça son identité. Si vous collez cela comme une identité sur quelqu'un, c'est que vous ne l'aimez pas. Parce que tu ne peux pas être clasheur
et t'en sortir et te faire respecter. Non, parce que moi, je décrypte les lives, cracher ça encore. Dis-moi, je décrypte. Pourquoi vous me dites, moi, je décrypte parce que la personne m'a insulté. Elle m'a donné tous les noms. Et je ne viens pas vers elle pour l'insulter. Moi, je décrypte ces lives. Et ben, elle prend les anciens là, moi, je décrypte. Ouais, je suis sur elle, les bango bango. Je suis que sur elle. Oh. Je suis que sur elle. Nicole. Oui. C'est bien d'être sur les gens. C'est-à-dire, ce qui me fait te parler, me disant que tu vas me comprendre. Et d'ailleurs, ce qui a fait que tu aies peur que je ne vienne, c'est parce que tu avais peur d'être convaincu. Je ne cherche pas à te convaincre. Je viens te donner un autre message, ce que tu n'entends jamais. Et j'espère que le soir, quand tu vas te coucher, tu vas te souvenir de ce que le pasteur t'a dit. Bon. Est-ce que c'est Décom qui t'a annoncé le message? Non, Décom Amougou ne m'envoie pas. C'est pas mon ami. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Non, c'est pas mon ami. Une question sur le maman, c'est jamais. Non, c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais pas faux, c'est pas votre ami. Oui. Mais moi, je suis dans son direct pour vous régler les problèmes. Non. Et ça fait bien sûr. Tout comme je peux entrer dans ton direct, Nicole, je peux entrer dans ton direct à toi, demander à entrer si je vois que tu te bats avec quelqu'un et chercher à arranger. Pas parce que je suis ton ami, mais parce que je trouve que c'est normal que je le fasse. N'est-ce pas? C'est un peu mon travail. C'est comme un policier qui passe dans la rue et qui voit des gens se battre. Nous sommes ici sur Facebook. Non, dans notre game de Facebook, parce qu'au moment-là, il faut les faire, ça comme ça. Oui. Moi, ce qui me donne sur Facebook, c'est je te prouve qu'on n'est pas sur Facebook. Nicole. Les ténébreux là-bas, qu'ils arrêtent de clasher. Ils n'arrivent pas à convaincre là-bas. Non, je l'ai fait, Amer. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Et je le jure sur l'honneur, je l'ai fait. Le morgue a encore insulté. Le morgue insulte encore du Kamer. C'est qui le morgue? Qui est le morgue? Qui est le morgue? Donc, le morgue est ici. Le morgue. Est-ce qu'il y a un morgue? Il y a un morgue sur la toile. Est-ce que je peux continuer sur Nicole, s'il vous plaît? Maman, passe-toi, pardon. Merci beaucoup. Alors, Nicole, dis-moi. Oui, monsieur Messa. Dis-moi, Nicole. Lucie. Tu es, sans toutefois rentrer dans ton intimité, tu es l'aîné de ta famille ou tu as des frères et sœurs? Je suis l'aîné de ma famille. Ok. Tes parents vivent encore? Non, ma mère vit, mais mon père ne vit plus. Ok. Est-ce que ta maman est au courant de ta vie? Je ne veux pas dire ce côté que j'ai évoqué tout à l'heure, que je dirais entre parenthèses, business woman, tu fais la promo. On connaît tout. Ma mère connaît tout, ma vie, elle connaît tout. Ah bon? Mm-hmm. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi et j'en profite pour te dire que la réplique que tu as donnée, parce que moi je suis quelqu'un de franc, j'aime dire les choses comme elles sont, j'ai suivi ta réplique en écoutant encore ton passage tout à l'heure, la façon, tout ce que tu as enduré, c'est-à-dire j'ai compris que tu es quelqu'un de très grand dans la tête et vraiment tu réfléchis mûrement. Parce que la réplique, la réponse que tu as donnée à cette dame, vraiment, elle avait de la hauteur, elle avait du respect, elle avait de la sagesse. Il y avait tout dans cette réponse. Mais je voudrais dire, j'en profite pour te dire vraiment, bravo, tu as répondu comme un enfant peut répondre à sa maman. Quand la maman déconne, quand la grande sœur déconne, la réponse non, est... Non, pas pour moi, c'est un truc qui était arrangé parce que quand j'amène ma maman chez cette dame, c'est une maman que j'ai vue sur non, la photo. Je reviens dessus. Donc, je voulais juste revenir sur ta réponse. Mais maintenant, quand j'ai demandé si tes parents vivent, la façon que ta maman a été, comme la majorité des mamans, entre parenthèses, les blogueuses sur la toile, ces derniers temps, est-ce que ça l'a affecté ta maman? Est-ce que ça a gâté? Il y a eu des problèmes dans votre relation familiale? Est-ce que ta maman a été affectée? Oui, elle a été affectée parce que quand j'ai amené ma maman là-bas, c'était par amour. Alors, tu peux voir une maman sur les réseaux sociaux, tu l'amènes parce qu'elle a perdu sa maman, tu l'amènes, c'était par amour. Mais après, ce qui s'est passé sur Facebook, cette dame a vu ma lumière, elle a dit comment elle va faire pour m'éteindre. Ils ont sorti un mensonge, comme ils pouvaient sortir un mensonge là. Avec mon impulsivité, je suis venue dans Facebook, j'ai parlé, mais je n'ai pas prononcé son nom.
Parce qu'elle a trouvé l'occasion d'aller appeler ma mère. Elle a enregistré ma maman. Elle a dénigré ma mère. Elle a insulté de tous les noms. Et je suis sortie comme un enfant intelligent. J'ai un peu essayé d'aider. Parce que je ne voulais pas que ma mère soit... Je ne voulais pas qu'on mette les voix de ma maman sur les réseaux sociaux. J'ai laissé mon orgueil de côté. J'ai laissé le beau-art dans ma tête. J'ai pensé à ma mère. Donc, j'ai fait une sortie stratégique pour abaisser les cœurs. Et après, je me suis rendu compte que elle a pris les voix pour me faire le chantage. Je lui ai dit qu'on ne fait pas le chantage à une beau-aïeuse. J'ai dit qu'il dépose mes voix sur les voix de ma mère. J'assume. Donc, je crois que Nicole a un problème de réseau. Ok, tu m'entends encore là? Je vous entends, monsieur, mais ça vous entend. Ok, je voulais demander, cette femme-là qui est venue comme ça parler de la relation avec ta maman, quel problème particulier tu as avec elle? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Papa, mais ça, moi, je n'ai pas de problème particulier avec cette femme. Ça a commencé sur Facebook, elle a commencé à me lancer. Parce que la dernière fois, quand maman Pépé a eu des problèmes avec ma collègue qui est au Cameroun, tu vois. Elle s'est mise à soutenir là, ma collègue qui est au Cameroun. Et puis j'ai dit que ouais, je suis en train de dire que ouais, maman, ne compare pas maman Pépé avec ma collègue là. Elle a poussé cette chaîne, elle m'a insulté de Beaux-Arts, oh, pas de ton émission du Beaux-Arts, tout, comme ça. Après, maintenant, c'est passé. Quand j'ai, après, elle me déliguer que dis, après ta maman, que tu vends le cabas, tout et tout. Et moi, l'idée était toujours pour lui dire que non, Nicole n'est pas ici pour vendre le cabas, machin. Quand j'ai eu mon tour de tap scène, par la grâce de Dieu, elle est montée dans le direct d'une de mes tatas là. On lui a demandé que, avec tout ce que Nicole a eu sur les réseaux, tu en dis quoi? Elle dit que ouais, je suis contente, je suis fière, non? Maintenant, après, il y a un monsieur là qui vient en Belgique qui a dit que ma mère a dit que je n'insulte plus la dame que je suis sur elle là. Je me suis mise à rire parce que ma mère ne la connaît pas. Et ma mère sait normalement qu'on a publié ma famille dans les réseaux sociaux. Elle connaît tout, tu vois. Après, le lendemain, ma mère m'envoie les voix, me dit qu'il y a une personne qui est venue vers elle, lui dit que non, on a dit que ta fille doit mourir dans le sommeil, machin. Et ma mère a dit qu'elle va fuir le quartier. Je lui dis que tu vas fuir le quartier, papa, parce qu'on t'a insulté. Et je me suis emportée, j'ai dit les mots qu'il ne faut pas dire à ma mère, parce que ma mère ne comprenait pas. Et je l'ai bloquée par stratégie. J'ai bloqué ma maman par stratégie. Et maintenant, quand je viens sur Facebook, je ne prononce même pas le nom de cette dame. Je prononce plutôt le nom de monsieur qui est en Belgique. C'est une dame qui monte dans le même live qui dit que, mais Nicole, la femme à qui tu as amené ta mère, parce que c'est elle qui a donné le numéro de ta maman. Elle dit que, mais la dame, elle me veut quoi? Après, maintenant, elle quitte, elle va appeler ma maman, elle enregistre ma mère. Et ma mère lui dit que, elle dit à ma mère que non. Dis à ta fille de laisser mon nom sur Facebook. Ma mère lui dit que oui, Nicole m'a même bloqué, tu vois. Maintenant, ce qui m'a fait tiquer, c'est qu'ils sont en connivence parce que la saleté de la Belgique a dit que Nicole a bloqué sa mère. Comment le monsieur a su que j'ai bloqué ma mère? Parce qu'elle lui a dit. Hein? Après, maintenant, quand la dame m'a donné 48 heures, je suis venu que non, dans 24, où sont les 10 secrets qu'on est dans ta vie. Je pensais qu'elle n'est pas sorti les voix de ma maman. Après, le lendemain, fait le direct, elle met les voix de ma mère sur les réseaux sociaux. Je me suis sentie mal. J'ai eu mal. Si vous ne dites pas que j'ai eu mal, mais j'ai laissé mon ego. J'ai pris la sagesse du beau-art. J'ai mis ça à terre. Je dis que je veux protéger ma mère. Je suis sortie par stratégie de parler comme une maman. Je lui ai dit ses vérités avec sagesse. Et le lendemain, je vois la dame avec qui je suis sur elle. La dame là n'est jamais, quand elle était sur cette femme, elle n'était jamais sortie. Elle a commencé à faire les sorties, m'intriguer. Après, j'ai vu la dame là, elle me prend pour insulter maman Pépé. J'ai dit que tu mens. Je n'accepte pas le faux. Si j'accepte que tu insultes cette maman Pépé, c'est comme si j'étais de connivence avec toi. C'est là maintenant que j'ai sorti mon ego du beau-art et que non, tu mens. Je vais
te dis la vérité, c'est la femme-là qui m'a fabriqué. Donc, si tu veux partir à mon nom, pars. Et je suis là quand tu mets les voix de ma maman sur les réseaux sociaux. Je n'ai plus peur. C'est pour ça. OK. Comme il y a pas mal de gens qui attendent, avant de laisser partir le pasteur, je ne sais pas s'il peut intervenir là de suite, parce que on va le laisser aller dormir là, la messe demain, avant de continuer. Pasteur, si tu as quelque chose à dire à Nicole, s'il te plaît, comme ça, on va prendre quelqu'un d'autre. D'accord. Nicole, quelle est la différence entre la dame qui... dont tu parles tout à l'heure là, qui a voulu faire sortir les voix de ta maman ou bien elle l'a fait? L'enregistrement de ma mère sur les réseaux sociaux. D'accord. Quelle est la différence entre elle et Lolo, et quel est le traitement que tu lui réserves à elle? La dame qui a fait sortir les voix de ma mère sur les réseaux sociaux, j'ai laissé tout ça entre les mains de Dieu, et comment je ne lui pardonnerai jamais. Que parce que maman est partie chez elle avec un cœur, elle a préparé 8 bouts de coquilles. Et la mamie, le feu l'a failli la brûler. Et que si la dame est venue, c'était donc, elle n'a pas reconnu le bienfait de ma mère. C'est Dieu qui va la récompenser. Et c'est comme j'ai dit, que je laisse tout dans les mains de Dieu. Pourquoi pour elle, tu laisses entre les mains de Dieu et pour l'autre, tu gardes dans tes mains? Est-ce qu'il y a une logique? Pour l'autre, elle est pupille parce qu'elle a publié ma grand-mère, ma feu grand-mère, elle a publié. Ils ont laissé déterrer le corps de ma feu grand-mère. Mm-hmm. Ils ont publié ma feu grand-mère et je ne le permettrai pas. D'accord. Moi, je vais partir tout à l'heure, là. Je suis très heureux d'avoir eu quelques minutes avec vous. Merci de m'avoir respecté. Tu ne me bénis pas. Amère, Kamer. Je n'ai pas le temps. Mais je veux te dire que... Ce n'est pas l'exorcisme. C'est pas l'exorcisme. Tu as une voix qui porte très fort à Mère Kamer et je te connais depuis plusieurs années. Et tu as fait beaucoup de combats. Donc utilise ta voix que Dieu a rendue forte pour protéger tes cadets, pour protéger tes petites sœurs et tes petits frères de tout le mal qui peut suivre les actions que nous posons aujourd'hui dans la colère ou dans l'émotion. C'est la petite fille qui est ici, c'est ta petite sœur aussi, pour la protéger. Parce que ces grandes sœurs qui sont là, qu'elles défendent... Attends, je te dis, tu m'as demandé de te parler, non? Ces grandes sœurs qu'elles défendent ont commis les mêmes erreurs qu'elle est en train de commettre, à savoir se venger... C'était l'injustice. Ils n'ont pas commis d'erreur. C'est l'impulsivité. Ma bébé et ma fille n'ont pas commis d'erreur. On était jaloux. L'impulsivité, donc, c'est. Il a été bandé. Donc, c'est réagir. Ils n'ont pas commis d'erreur. Oui. Réagir dans l'impulsivité entraîne à commettre des erreurs. Souvent, il y a des erreurs qui sont commises. Donc, et à la fin, tu te rends compte qu'elles ont besoin d'être défendues par une jeune sœur comme toi aujourd'hui. Non, je ne sais pas nécessaire. Par amour, sans rien entendre d'autres. Je défends par amour parce qu'il y a vu. La haine. Oui, tu vois. Et je n'aimerais pas que dans quelques années, toi aussi, Nicole, une petite fille vienne dire « Je défends maman Nicole parce que tu es dans un coin quelque part à cause du gouffre dans lequel tu t'enfonces à vouloir te venger. » C'est un conseil que je te donne en passant. Tu n'as pas obligation de faire ce que je te donne comme conseil. Mais n'oublie jamais ce que je t'ai dit ce soir. Tu es une personne qui a beaucoup de ressources. Tu as beaucoup de choses à l'intérieur. Et ne laisse pas les rancœurs laisse à lire. Tu peux m'écrire un livre, Nicole. Tu peux écrire tout un livre sur le Beaux-Arts. Tu peux aussi écrire un livre sur tes expériences personnelles. Que ça serait plus puissant. Ça va faire beaucoup plus de mal à tes ennemis. Attends, parce que quel genre d'expérience? Elle a eu plein d'expériences, Amère. Ouais, ok. Ok. Par exemple, si elle traverse en ce moment. Amère, si tu veux un débat avec Pasto, on va organiser ça si tu veux. Mais Pasto, doit se réveiller le matin, merci. Il a un culte, il a une tournée. Si tu veux organiser un débat, tu prends rendez-vous là avec Pasto, et puis on organise un débat ici. Vous aurez le plateau à échanger, parce que quand j'écoute le pasteur, il a beaucoup de choses à te dire, et apparemment toi aussi, tu as beaucoup de choses à lui dire. Ok. Donc, tu sais que c'est un grand ami. Grand frère, tu sais que c'est un grand ami de Camille Makoso, qui est là.
Qui ça? Amen. Oui. Non, je ne suis pas au courant. Parce qu'ils étaient ensemble sur le même plateau de télé. Comme tu es l'ami de Lolo, c'est l'ami de ma cousine. Ah, mais merci, oh là là. Ouais. Merci beaucoup. Eh bien, bonne soirée. Voilà. Oh, merci, Pasteur. Alors, Amen, Amen, qu'est-ce que tu as dit? Par rapport à qui? Qu'est-ce que tu as dit maintenant? Voilà quelqu'un que tu as rencontré sur le plateau, comme j'ai rencontré Lolo. Non, Marcoso, c'est d'abord mon pote. Ah, c'est ton pote, hein? On est dans la Marmaille ensemble. Ah, ok, ben, ça veut dire que le pasteur a donc raison. Il n'y a pas de souci, je comprends. Ok, il a complètement raison. En tout cas, pasteur, merci. Merci de ton passage. Merci, ta mère, que Dieu te bénisse, hein? Oui, ça c'est clair. Puis, merci. Je vous bénisse tous. Merci beaucoup. Et puis, pasteur, merci d'être passé. De toute façon, à chaque fois, n'hésite pas de mettre le nom Messan dans tes prières. Moi, les hommes de Dieu, je les respecte. Et j'ai toujours ce bonheur de partager, de discuter avec ces personnes. Parce que pour moi, les hommes de Dieu, c'est des personnes spéciales. Elles ont une onction que nous autres, nous n'en avons pas. Quoique nous ne sommes pas toujours d'accord, mais c'est des hommes de Dieu et il faut les respecter. Donc, merci de ton passage ici. De toute façon, au plaisir de te revoir. Peut-être pour un autre débat. À bientôt, Nicole. À bientôt, grand frère. Merci. On est ensemble. Merci. Je te descends où ça va aller. Voilà. Voilà. Passo. Amen, Amen. Ouais. Amen, Amen. Donc, toi, tu attribues les amis aux gens. Toi, tu rencontres les gens sur le plateau. Heureusement que tu dis que vous êtes tous des marmailleurs. C'est bien. Mais le passo, là, il a le Congo. Il a un jour dans le Congo, ça, hein. En tout cas, sérieusement, Nicole. Oui, monsieur Messan. Sérieusement. Jusqu'à quel niveau tu es prête à y aller? Jusqu'à niveau? Jusqu'à me demander pardon à genoux. Mais toi, ça ne te fait pas peur. Mais, je veux dire, pour une grande sœur, parce qu'elle est quand même ton aînée. Non, elle n'est pas mon aînée. Est-ce que moi, les grandes sœurs, c'est Facebook? Je n'ai pas de famille sur Facebook, il faut qu'on arrête de dire qu'on a les familles. Alors, mon père n'est pas des grandes soeurs du Facebook. C'était sa grande, c'était sa petite soeur, elle ne devait pas permettre ça à ses pipi-marins de publier ma soeur grande, de publier ma famille. C'est ça que moi, je me rends justice. Et monsieur Messan, sans oublier qu'il y aura les deux, il y aura d'autres blogueurs qui vont venir sur la toile. Hein, parce qu'il faut qu'on arrête de publier les familles des gens. C'est ça mon combat des réseaux sociaux. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis contre toutes les publications. Et en même temps, je suis contre toutes ces personnes qui partent, je vais dire, des problèmes. Ça, par exemple, si moi, Nicole, j'ai un problème avec toi, on se prend la tête tous les deux. Je ne sais pas pourquoi on saute toujours pour mettre les parents, les enfants et tout ça. Je ne comprends pas. Moi, je suis contre ça. Je suis vraiment contre ça. Et puis, ceux qui le font, Je n'ai jamais compris pourquoi on peut prendre un an. Moi, je peux t'insulter, toi, Nicole, tu m'insultes. Mais à un moment donné, je te saute, je vais insulter ton enfant. Je ne comprends pas pourquoi. Ou ta maman. Voilà. Pardon. Il y a quelqu'un qui vient d'entrer là. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonjour, Dia. Vous avez la parole. Vous avez des questions à poser à Nicole? Bonsoir. Bonsoir Tani. Bonsoir, mec, mère. Bonsoir, Nico de Nico. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai juste à dire à Nicole beaucoup de courage. Et merci. Excusez-moi de revenir sur le sujet du Boza, parce que moi-même, je suis bozaïeuse, je sais ce que c'est. Mais moi, j'étais passée par la Turquie et j'ai failli laisser ma vie dans l'eau en laissant mes enfants et ma mère, ma pauvre maman au Cameroun. Et mes enfants, déjà, qui était orphelin de père, donc je sais que le Boza est... Franchement, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui Boza pour entrer en Europe. C'est-à-dire, le conseil que je dois donner, tout et chacun qui a souffert, qui est passé par là, doit vraiment se mettre au travail. Ne doit pas jouer. Ne doit pas venir faire du n'importe quoi ici. Nous n'avons pas le droit d'imiter ceux qui sont venus étudier, d'imiter ceux qui sont dans un regroupement familial, d'imiter ceux
sont passés par des réseaux. Non, nous savons ce que c'est que la souffrance. On a souffert. J'ai failli laisser ma vie. Les requins ont failli nous avaler parce que le carburant était fini dans notre au diable et puis on s'était carré dans la mer. Wow. Dieu, je peux dire, quand j'entends souvent des gens dire « Ah, Dieu, Dieu, non, Dieu existe. » Eh, maman, Dieu existe. Oui, parce que à la dernière minute, le bateau grec était venu en courant, en parlant avec les haut-parleurs. Arrêtez-vous, ne continuez plus en anglais, en grec, en français, en tout. Vous avancez sur la zone dangereuse, c'est la zone rouge. Arrêtez-vous. Les gars avaient peur que ce sont les Turcs qui veulent nous ramener en Turquie. C'était là qu'ils voulaient percer le Turc. Nous, il y avait certains Marocains qui ont dit, si vous percez, on vous pousse dans l'eau. Avant que nous ne mourons, vous mourrez les premiers. Et on a arraché les couteaux qu'ils avaient. Ce qui fait que quand le bateau a projeté les phares sur nous, chacun a commencé à pleurer parce que nous étions assis sur l'eau. C'est-à-dire que l'eau entrait dans le zodiaque et comme c'était la nuit, personne ne voyait la couche de zodiaque entre la couche de zodiaque. Personne ne voyait rien. On ne savait même pas où on partait. Alors, je remercie vraiment Dieu et vraiment Nicole. Quand je te suis, je ne te suis pas pour rien. Je suis à mes camés, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est que nous avons souffert. Je t'ai dit, maman. Nous avons souffert. Et ce que papa me dit, en train de te dire, j'aime beaucoup Tani, je l'aime beaucoup, j'aime sa façon de faire les choses. Merci. Le conseil qu'il est en train de te donner, c'est vrai, moi, je ne suis pas moi ténébreuse, je suis lumière jusqu'à demain. Et puis, je suis lumière. Juste, non, c'est parce que, excusez-moi, j'avais déjà éteint, c'est-à-dire le temps de me lever pour, excusez-moi vraiment, j'avais déjà éteint les lumières. Vous savez, c'est fait quand même un peu tard. Mm-hmm. Donc, oui, c'est pas, non, je suis dans le noir, c'est pas, pour dire que je suis pas ténébreux, Amère, quand même, attention, je suis pas ténébreux, je suis lumière. Donc, si tu peux comprendre le conseil de papa maintenant, et laisser un peu long lolo, tranquille. Non, maman, il la laisse pas. Mais si tu ne peux pas la laisser, ça, c'est ton concept. Mm-hmm. Le père Messan ne peut que jouer son rôle. Il ne peut que jouer son rôle de père. Bien sûr. En ce qui concerne le pasteur qui était là, le pasteur, c'est un ténébreux. Il va m'excuser. C'est un pasteur ténébreux. Parce que le conseil qui part toujours donné chez les ténébreux, je ne l'ai jamais vu chez la lumière donner ce genre de conseils. Et tout ce qu'on est en train de parler, il ne fait que revenir. Est-ce que tu ne peux pas voir la différence entre la personne qui a fait ceci? Vraiment. Bon. C'est un ténébreux. C'était juste pour apporter ma petite contribution pour dire à Nicole, tu n'es pas seule. Nous sommes nombreux et nous ne devons pas nous décourager. Et nous sommes de Dieu. Parce que nombreux comme nous sont restés. Ils ne sont pas arrivés. Vraiment. Donc, bonsoir à tout le monde. Et puis, merci, ma soeur. Merci beaucoup. Merci pour tes conseils. tu descends, ça va? Je te descends? Oui, Taï. Merci. Tu descends ou bien tu le fais seul? Ah, je pense que je peux le faire seul. Et okay. Bisous à Magne, la belle femme là. Ok. Elle est à la technique. D'accord. Je passerai le bisou. Donc, Nicole. Oui, mon papou. Oui, monsieur Messan. Tu es tellement énervé contre Lolo que tu es allé jusqu'à prendre. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre le nom de son démission, parce qu'il faut quand même être honnête que non, à cœur oui. ouvert, oui, c'est, son mon nom, c'est son nom à elle, c'est une émission qu'elle a créée. Non, elle n'a pas créé ça. Ça y avait une émission qui était comme ça au Cameroun à la FM, ça passait à 21h, ça s'appelait bon, à cœur ouvert. Avec, puisque tu réponds à la question que je pose à Nicole,
je demande toi-même avec Amen, c'est quoi ton problème avec Lolo? Tu as quel problème? Moi, j'aime seulement déranger Lolo comme ça, là, parce qu'elle n'est pas là à l'école. Le point de cœur, mon papou, le point de cœur, pourquoi je prends le nom à cœur ouvert? Quand l'histoire de Maman Pépé est sortie ici sur la toile, elle dit qu'elle a à cœur ouvert, elle soutient la femme. C'est ce qui m'a fait énerver, c'est qu'elle est partie chercher l'ex de Maman Pépé sur la voiture pour qu'il vienne passer à cœur ouvert. J'ai dit que non, tu m'as. C'est la plus méchanceté. Parce que maintenant, elle voulait faire les bonnes guerres pour que le monsieur vienne raconter la vie de Maman Pépé pour la dénigrer, la détester, la dénigrer sur les réseaux. Je dis que non, tu peux accepter qu'un homme vienne dénigrer notre femme sur ton émission à cœur ouvert. C'est pas normal. Ça, c'est à cœur ouvert, aide-moi à détester. J'ai dit que bon, je prends le nom à cœur ouvert. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que je vois beaucoup de gens écrire. Je crois que quand on parle quand même, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je ne dis pas que c'est Lolo qui a créé le nom de à cœur ouvert. C'est pas ce que j'ai dit. C'est des émissions qui existent partout à la télé. Mais je veux dire, dans notre concept de Facebook, c'est elle qui a amené ça. Mais elle ne mérite pas ce nom. Voilà. Elle ne mérite pas ce nom. Non, en fait, juste pour dire, parce que je vois des gens écrire le français des Blancs, là. Je comprends très bien ce que vous dites, mais je veux vous dire que dans notre monde de Facebook, disons qu'elle aussi, elle a été prendre ça ailleurs pour amener dans le monde de Facebook. Et c'est pour ça que je te pose la question que, voilà, tu pouvais faire ce que tu fais, mais avec un autre nom. Mais tu as calme, parce que si Lolo avait préservé les droits de ce nom, comme on fait d'habitude, tu ne l'aurais pas pris. On est d'accord? Elle est à l'école. Après, tu as dit quoi? Est-ce qu'elle est à l'école? Je vous dis quelque chose. Il faut qu'on soit un peu. En tout cas, il y a Lily de la Tour, la maman de Nicole. La maman de Nicole qui est revenue là. Je surveille. Maman. Ah, c'est pour surveiller. Okay. Heureusement que le pasteur est parti. Elle dit que maman Lily est où? Je dis que heureusement que le pasteur là est parti. Parce qu'il doit aller faire son culte demain. Mais qu'est-ce que vous avez contre le pasteur là? Moi, je trouve qu'il parle très bien. Non, qu'il aille chez les ténébreux. Qu'il aille donner ses conseils chez les ténébreux. Qu'il ne vienne pas donner les conseils à ma fille. Il dit qu'il m'a insulté comme ça, il dit qu'on m'a insulté là-bas, Isaac, donc un pasteur, tu acceptes aussi. Tu ne dis rien. Et maintenant, il vient ici pour nous parler. Parce que demain, il va conseiller à l'église. Parce que ici, là, tu ne conseilles pas ma fille. Parce que quand tu parles là-bas, on insulte Isaac. Maman, on insulte. Voilà. Il écoute. Mais justement, Lily de la Tour, en tant que la maman de Nicole sur la toile, vraiment, une femme que Nicole écoute beaucoup, j'ai l'impression. Est-ce que toi, tu ne penses pas que par rapport à cette histoire avec Lolo, Nicole a déjà beaucoup fait qu'elle devrait arrêter? Je ne veux pas recommencer pour elle déjà. Je ne veux pas recommencer. Non, je voudrais écouter Maman Lily, qu'est-ce qu'elle pense de ça? Tu ne penses pas qu'elle devrait arrêter et continuer dans ce qu'elle fait? Sur la toile, vraiment, une femme que... Oui. Une femme que... Oh là là, il y a quelqu'un qui nous cherche. C'est moi, je dis que tu es en train de jouer. Il y a un retour. Il y a un retour, c'est mon mari. Ok! Pardon, pas monsieur Sam. Mais la dernière fois, elle a arrêté, non? Mais je sais pas si elle a arrêté. Elle est encore revenue. Mais pourquoi elle a un retard de... Ah, ben voilà. Non. Il faut encore la prendre. C'est juste qu'elle a un retard. Tout à fait, elle avait un retard sur... J'espère qu'elle va revenir. Il y a
des noms-là que quand je ne maîtrise pas. Après, il y a les ténébreux aussi. Après, il y a les ténébreux parce qu'ils sont forcément. J'aime pas trop prendre les gens que je ne connais pas. Ben voilà, Lily, elle est revenue là. Mais amère, en attendant que Lily revienne, toi aussi, tu pourrais pas donner un conseil à Nicole de peut-être. Parce que la même question, je poserais même à Nicole. Je veux dire, tous tes sponsors là, quand je dis sponsors, les marques que tu représentes, ouais. Ça, ce comportement là ne les dérange pas, Nicole. Parce que c'est vrai que moi, il décrypte les lives. Moi, il n'insulte pas. Il décrypte. Ok. Donc, pour l'instant, aucun de tes contrats ne t'a parlé de ce côté-là. Ça ne les dérange pas. Non. Parce que ils sont satisfaits de mon travail. Tout à fait. Donc, pas me ça, c'est à moi. Oui, je te demandais en tant que la maman de Nicole. La maman de Lolo. De Lolo. La maman de Nicole. J'étais dit tout à l'heure que lui et Lolo, c'est même ceux qui se sont parlé. Pas me ça. La maman de Nicole, je disais, tu ne penses pas que Nicole devrait arrêter et passer à autre chose? Est-ce que tu as dit à ta copine d'arrêter? Parce qu'elle ne décryptait plus ses directs. Nicole décryptait ses mensonges. Nicole avait arrêté, mais dernièrement, comme elle a cru que ma fille était tombée, sans savoir qu'une bosailleuse ne tombe pas facilement, elle est sortie pour crier victoire. Bien sûr. Et ma fille est rentrée à l'attaque. Et c'est de ça qu'il s'agit. Toi, ta copine, parle ça. Il faut dire à ta copine d'arrêter aussi. Là, voilà qui va insulter Enamangwan. Elle a dit qu'elle va lutter avec Enamangwan, un bébé de 5 ans. Tu ne trouves pas que c'est méchant. C'est mauvais, c'est méchant. Donc maman, Lily, la maman de Nicole, donc toi... Tu es seulement revenu là pour dire que Lolo, c'est ma copine. C'est ta copine. En tout cas, ce que moi je vous dis, hein, je vous dis encore une fois de plus, de toutes les personnes sur la toile, Lolo est l'une des personnes avec lesquelles je le dis en toute sincérité. On s'est séparés sans accrochage. Je ne sais pas ce qu'elle me reproche. Elle ne sait pas ce qu'elle me reproche. Elle t'a déjà dit pourquoi. Elle t'a déjà dit ce qu'elle te reprochait. C'est ça. Oui, elle me l'a dit par rapport à compresseur d'ondes. Et elle a dit que finalement, ce n'était pas vrai. Elle a constaté le contraire. Donc, ça veut dire que Lolo, ce n'est pas quelqu'un que je peux rencontrer quelque part et que je l'évite. Je vais lui dire bonjour et on va causer. Et si j'ai des conseils à lui donner, je vais les lui donner. Et je pense qu'à un moment donné, quel que soit ce qu'on peut avoir sur la toile, après on doit passer à autre chose. Parce que quand on s'éternise sur quelque chose, après les gens, ça fatigue même tout le monde à la fin. Nicole n'est pas accrochée sur Pipi. C'est Lolo. Nicole n'est pas accrochée sur elle. Nicole décrypte ses mensonges, ses délires. Elle décrypte ses délires. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant que Nicole décrypte, voilà la veuve aussi qui a commencé à décrypter. Elle a décidé d'insulter la petite fille de la veuve, Enamangwan. Et l'enfant a quoi, 6 ans? Donc, tu veux dire que Nicole a remplacé Magma? Non, ce côté de décryptage ou de dénonciation, moi, toutes les personnes qui sont dans ce couloir-là, je les encourage. Hein. Ben oui. Moi, j'encourage la dénonciation, j'encourage le bon, et puis j'ai toujours dit à Nicole de rester dans la vérité. Et quand tu te trompes, quand tu sais que tu t'es trompé, tu reviens dire aux gens que tu t'es trompé, c'est très important. Mais rester dans la vérité, c'est quelque chose de bien. Mais maintenant, décrypter
Parce que j'ai l'impression que le meilleur décryptage de Nicole, c'est seulement le nom, quoi. Parce que je n'ai jamais entendu Nicole, par exemple, décrypter les mensonges d'Amer Kamer. Parce que Amer Kamer ment aussi beaucoup. Non, je ne peux pas. C'est une vieille relation. Amer Kamer est dans la politique. Amer Kamer est dans la politique. Je viens dans le Congo ça en cas de force majeure. Non, parce que Amer Kamer est le choucré de la patronne de Nicole. Donc Nicole ne peut pas décrypter ses directs. Ça c'est clair. Amer Kamer le choucré de ma patronne. C'est normal. Attends, le pasteur qui était là, comment il s'appelle? Pasteur Samuel Christian. Tondé. Merci. Qui va me répondre? Pasteur, va dormir demain, t'inquiète. Le pasteur, il est célèbre. Avec Amer. Ouais. Ce modèle. Avec Amer. Pasteur, va dormir. Je me rappelle très bien que tu as eu un dîner au Cameroun entre Lolo, Flore et une autre personne que je ne voudrais pas citer. Tu étais très à l'aise. Je vais te donner tous les détails. Peux-tu raconter tous les détails? Non, je ne t'ai pas demandé les détails. Tu as eu un dîner entre Lolo, Flore, Madame Guilhem Chapuis et une autre personne. Tu étais très à l'aise, non? Mais je vais t'expliquer. C'est parce qu'en principe, c'est Flore qui organise pour nous dire au revoir. Parce que comme elle prenait son avion le lendemain. Mais avant d'aller au dîner le soir, on était d'abord au Hilton le matin avec moi, Guylaine et Flore. On était d'abord au Hilton le matin parce que comme Flore voulait déjeuner, bon, ils sont venus à nouveau au Hilton. Donc Flore a débarqué. Bon, on a pris. Voilà, du coup, bon, écoute, j'organise un dîner le soir, on va faire et tout et tout. Donc, mais sauf que dans ce dîner-là, c'est là où tu sens ce qu'on appelle que les réseaux sociaux. Tu ne peux pas faire confiance aux gens. Pendant qu'on est à table, d'abord, on ne sait pas que Zouakouchet sera là-bas. On ne sait pas. On arrive, on tombe, on voit. Je vois, je dis que mais c'est pas possible. Bon, on a fait, tu sais, comme on est des personnes bien, comme tu as dit tout à l'heure, on a fait comme simplement ça ne nous dérangeait pas. Mais ça nous dérangeait mal. Et on était assis en fonction des équipes. Zouakouchet et Lolo étaient assis en face. Moi, Guylaine, de l'autre côté. Flore, de l'autre côté. Mais les deux combinaient déjà comment elles vont faire pour massacrer Flore. En plein dîner. J'ai trouvé ça incroyable. Et après, quand tu es dans une table où tu vois la traîtrise, le seul truc qui manquait seulement ça là-bas, c'est la poudre seulement pour que quelqu'un pousse sur le plat de quelqu'un. C'est le seul truc qui manquait là-bas. On sort donc de là, elles prennent les photos, elles ont même pris jusqu'à la facture en photo. Pour aller plus, quand elles étaient maintenant entre elles, oh, Guylaine n'a rien payé, mais elles ont oublié quelque chose. C'est Guylaine qui a dit à Flore le matin que je vais t'offrir ce repas. Tu vois comment les grandes personnes sont. Donc on a volé de chop. Guylaine a mis, Flore a payé. Guylaine a mis la main dans la poche, elle a pris discrètement les dos, elle a donné à Flore. Maman, pendant qu'on était au blanc, le Congo avait déjà commencé. Et j'ai vu Lolo dans un état. Maman, Lolo que vous voyez à la télé, c'est le make-up, c'est les filtres, c'est en vraiment. C'est la forme de quelqu'un, hein. Mais moi, je dis la vérité. Est-ce qu'il y a un rapport? Moi, je dis que la vérité. Mon papa, est-ce que ça parle de quelqu'un? Elle fait sa vie à Aubervilliers. Son mari. Non, ils ont fait divorcer parce qu'apparemment, Otam était venu avec les cordes pour attacher. Je ne sais pas si tu as vu la parole. Je pense. S'il te plaît. Ok, d'accord. Bon, je laisse la partie. Bon, je continue sur le dîner. Donc, comment? Lolo, c'est un appelement, ça ne vous concerne de parler ça. Lolo, c'est le truc. Dans une bagarre au rond-point local dans la même nuit. Quand toi-même tu vois un scénario comme ça, là, où le matin on commence à clasher, tu te réveilles le matin, tu trouves les factures dans les réseaux sociaux, tu trouves la facture là, après on est resté comme ça, on a dit que comment on peut aller dîner le lendemain matin, les factures du dîner se retrouvent dans les réseaux sociaux. Tu expliques ça comment?
Et on part encore dans une histoire où, c'est pour ça que je dis toujours, celui qui marche avec moi, il faut qu'il sache. Maman Lili, tu as fait revenir le pasteur, il va te répondre. En tout cas, moi, j'encourage beaucoup Nicole, comme j'ai dit, dans le décryptage, dans les dénonciations. Mais moi, je pense vraiment que, ça c'est mon avis, après, de toute façon, Nicole a ses mamans comme Lili. Si Lili ne lui dit pas d'arrêter, je sais qu'elle n'arrêtera jamais. Si maman perd, elle me demande d'arrêter. Mais c'est moi qui dis que je n'arrête pas. Je suis dans Facebook. Oh, ah. En plus, il y a quelques Congossa qui chauffent encore. Il y a encore un Congossa qui chauffe pour l'instant. Attends, je dis au pasteur. J'allais descendre. Je ne descends pas. Je le bloque. Il ne monte pas ici. Va dormir, pasteur. Demain, il y a culte. Il a dit qu'il y a le culte demain, non. C'est décolle. C'est un papa Congossa. Moi, j'ai Wanda sur le pasteur, la maman. Le gars, il rappelle à Nicole, même les anciens Congossa, il y a un an. Il a confirmé le coup. C'est un pasteur ténèbre. Mais vraiment, vous n'avez pas de respect pour les hommes de Dieu, hein, c'est pas bien. Il a dit mon ancienne vidéo, il dit qu'il a pris ça sur YouTube, il a pris ça sur mon morgue. C'est là-bas qu'il a pris ça. Monsieur Messan, comment un pasteur, il a dit qu'il s'en va dormir, demain il y a culte. Il dit qu'il veut me répondre. Je ne descends pas. Il ne descend plus. Il va rester, va dormir, pasteur. Non, peut-être que le pasteur va chez le morgue parce qu'il cherche la visibilité. Il dit carrément qu'il veut remonter pour répondre à Lily. Je ne descends pas. Il va rester là, va dormir. Vraiment, ça dit que vraiment, Facebook va tout nous montrer ici dehors. C'est un pasteur, il a dit que. Non, c'est le pasteur, papa. Le pasteur, il aime le papa. Il aime le japa, c'est pas possible. Il aime le japa, maman. Il est dans papa, mais il a quitté de façon. Je bloque, je ne descends pas. Maman, oh, ah. Je dis que, comment un pasteur peut aimer le Congo ça? Il a eu le droit d'aller dormir. C'est lui qui dit qu'il se met à 3 heures. Demain, il a culte. Ah ben, tout bizarrement, tu parles maintenant. Quand le pasteur était là, il te posait des questions, tu n'arrivais pas à parler. Non, tu m'empêchais de parler. C'est vrai que. Non, on va parler au pasteur, si maman. Pas en plein air. Parce que le pasteur a venu comme s'il défendait seulement Lolo. Il n'a fait que parler. Avec ses frères. Il a dit Lolo, parce que Lolo avait le manqué. Peut-être que comme ça que lui-même, là, il calcule Lolo. Un peu plus sérieux, Nicole, dans ta façon de travailler, Nicole, parce que je regarde de temps en temps tes vidéos. Mm-hmm. Tu passes, comment est-ce que tu fais pour récupérer tout ce que tu les, comme vous appelez les rimamba? Tu passes beaucoup de temps sur le YouTube ou alors quand tu attends une histoire, ça doit te prendre beaucoup de temps tout ça, non? Bien sûr, je pense sur YouTube, non? Je cherche après. Parce que, c'est pourquoi? Parce que, elle a dit un truc, tu vois. Je me rappelle que non, quand il y a eu 2 ans, ce qu'elle a dit, c'est pas la vérité, je viens aider. Pourquoi? C'est ce que tu as dit ici. Tu as dit ça, c'est le contraire, non? Pourquoi tu as menti? C'est comme ça que je fais. Ça veut dire que, si je comprends très bien ce soir, c'est-à-dire, tout ce que Lolo fera, tu viendras contredire ça. Bien sûr, contredire. Oh. Elle sait qu'elle ment. Parce que elle sait qu'elle ment. Elle ment beaucoup. Mais c'est pas une chose. On ne contredit pas la vérité. C'est le mensonge qu'on contredit. Ça si le pasteur va dormir, s'il n'est plus là, dites-moi, je descends. Mais s'il est là,
Maman, il était là, il est là, il ne peut pas me monter, il ne monte pas, qui va sur le monde. Moi, il t'a dit que le pasteur est venu ici pour blanchir de l'eau, ou bien on lui a promis les cordes, je ne sais pas. Si le pasteur est là, dites-moi, je ne descends pas, j'allais dormir, mais je réveille. Amen, j'ai écouté une vidéo. J'étais bloqué dans le pied. J'ai écouté une vidéo de toi. Déjà, je vais donner, avant de poser sur... Je vais donner ma position sur cette vidéo-là. On parle beaucoup d'une vidéo d'un enfant que la maman aurait ramené au Cameroun et tout. Mm-hmm. Moi, c'est les sujets que je n'aime pas tellement rentrer dans ces sujets parce qu'en fait, c'est assez intime et familial. Et puis, je voudrais dire... à toutes ces personnes que je vois très acharnées sur ce sujet, je voudrais vous dire une chose. Quand vous voyez une femme qui a mis au monde son enfant, qui l'a élevé jusqu'à cet âge-là, on parle de 12 ans ou 13 ans, je ne sais pas, et qui prend son enfant, qui va remettre ou alors ramener au Cameroun, je ne sais pas, laisser entre les mains, je ne sais pas, de ses parents ou de ses soeurs. De son ex-mari. Voilà, vraiment, je pense que c'est un sujet assez sensible qu'il ne faut pas juste en parler comme ça, parce qu'il n'y a que la mère qui connaît son enfant. Et cette femme-là, je crois qu'en France, où elle a vécu avec son enfant, elle n'a jamais été accusée de maltraitance. Donc, je crois qu'elle n'a jamais été accusée d'avoir maltraité son enfant ou je ne sais pas quoi. Donc, si elle a pris cette décision de prendre un enfant qu'elle-même, elle a encadré depuis son bas âge jusqu'à cet âge-là, de le ramener au Cameroun, pas l'abandonner, parce qu'il y en a qui abandonnent dans des foyers, je ne sais pas où, mais qui la prend et la ramène, je crois que peut-être c'est pour lui donner une certaine leçon. Il ne faudrait pas que les gens dans les réseaux aillent dans tous les sens. Non, c'est une histoire entre une mère et un enfant. Non. Et c'est le exactement ce qui se passe. Bon, je vais et quand j'interfais la mère, ta mère, parce que justement, dans un de tes directs, tu as dit que c'est tu as fait... Il faut qu'on soit clair. Non, attends, laisse-moi finir. Tu as dit que cet enfant t'a appelé ou bien tu as appelé j'ai cet les enfant. Deux. J'ai eu les trois parties même. Voilà. J'ai eu l'enfant, j'ai eu la femme, j'ai eu le père. Voilà. Donc, moi, ce que je vais te demander, avant que tu rentres dans le vif du sujet, ta mère, comment toi, tu peux être en contact avec un enfant de 12 ans? Comment ça se passe? C'est parce que je suis amer quand même, l'homme propriétaire de tous les dossiers qui circulent dans les réseaux sociaux. Je suis la référence dans les réseaux sociaux. En tout cas. Il faut que les femmes comprennent quelque chose au jour d'aujourd'hui. L'éducation d'un enfant, c'est entre 0 et 8 mois. Si tu as loupé la base, c'est ton problème. C'est ton problème. Aujourd'hui, on a des femmes en France où c'est la télé qui éduque l'enfant pendant que la bonne dame est sur TikTok, la bonne dame est sur Instagram, elles sont sur YouTube, elles sont sur WhatsApp en train de faire le conversa. Entre-temps, c'est la télé qui passe le temps à éduquer l'enfant du matin jusqu'au soir. Quand on sort l'enfant devant la télé, on donne le biberon. Il y a certains enfants, même à 2-3 mois, l'enfant ne connaît même pas le son de la voix de sa mère. L'enfant a déjà maîtrisé le son de voix de télé. Donc, à un moment donné, il faut que chaque femme prenne ses responsabilités. On ne fait pas l'enfant pour rester avec un mec. On ne fait pas l'enfant pour X. On fait d'abord l'enfant pour soi-même. À partir du moment où tu as raté l'éducation de l'enfant à cet âge-là, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et tu vas jeter chez ta mère ou en Afrique. Parce que non content que ta mère, tu es parti avec le mauvais comportement, ta mère a soufflé. Et tu reviens avec ton mauvais comportement, éduquer mal l'enfant. Mais à un moment donné, que les parents prennent leurs responsabilités. Si un enfant de 11 ans est mal élevé, c'est entièrement la faute de sa mère à 1000%. Parce que tu as eu le temps de te concentrer pour l'éducation de cet enfant. Tu as refusé de te concentrer pour l'éducation de tes enfants. Parce que tu fais je comprends, mais est-ce que cet enfant est mal élevé? Pourquoi tu le dis? À partir du moment où tu déposes l'enfant en Afrique, ça veut dire que tu considères que l'enfant est mal élevé. Mais l'enfant, tu sais, si on déposait tous les enfants qui sont mal élevés en Afrique,
Quand tu, parce que quand tu dis déjà mal élevé, ça dépend de quoi. Non, parce que non, moi je me base sur un calcul mathématique simple. Si je décide d'aller jeter mon enfant en Afrique, c'est que l'enfant m'a dépassé. Et si l'enfant m'a dépassé, c'est que l'enfant est mal élevé. Nous tenons pour tout du pont. Donc ça veut dire que une femme va mal élever son enfant pour que les autres viennent subir. Et je vais encore aller plus loin. C'est le genre de comportement des maris violents qu'on voit ici dehors. Que toi, tu as passé le temps à bien éduquer ta fille. On va prendre un voyou comme ça, 24 ans plus tard, martyriser ta fille, violente ta fille, parce qu'il n'a reçu que ça comme éducation. Non, il faut à un moment donné, il faut qu'on arrête. Quand l'enfant te dépasse, prends l'enfant là, va donner à la DAS, aux services sociaux, il gère l'enfant. Envoyer l'enfant en Afrique, ce n'est pas une solution. Vos parents doivent respirer aussi. Il faut que les femmes et les parents, femmes comme hommes, prennent leurs responsabilités ici en France pour éviter ce genre de cas. Un enfant de 11 ans, s'il est mal élevé, c'est la faute des parents. Parce que si ton enfant te dépasse, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as raté l'éducation de ton enfant. Que chaque parent prenne ses responsabilités. Ça veut dire que si vous dites que c'est la faute d'un enfant de 11 ans, ça veut dire qu'on va aussi dire qu'on va voir un enfant de 4 ans mal élevé, on va dire que non, c'est la faute de l'enfant, c'est pas la faute des parents, c'est la faute de l'enfant. Soyons sérieux. Amen, 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 amen. Amen. En tout cas, il y a Lili, c'est sûrement, maman Lili, tu as des enfants, je ne sais pas ce que tu dis par rapport à ça. Ça, c'est un sujet. Il est déjà 1h du matin. Normalement, j'étais en train de surveiller ma fille, accompagner ma fille dans cette émission. Pour que, voilà. Parce qu'il est 1h du matin. Moi, je pense que c'est un grand sujet qu'il faut prendre du temps pour en débattre. Parce que là, il se fait tard pour ma part. Et je trouve que c'est un grand sujet où on doit vraiment prendre du temps. S'il ne se faisait pas tard, je ne dors pas souvent à cette heure-ci, sauf si j'ai une fête. Vous savez, je suis une vieille personne. Tu es sur Facebook tous les jours. Tu es en train de Congo, ça, Facebook, Lili, je te trouve toujours là-bas. Donc, je voudrais dire que c'est un grand sujet, vraiment, où il y a les pour et les contre. Vous voyez? Donc, chacun trouve dedans une explication. Chacun trouve dans cette histoire une explication. Mais toujours est-il que les gens ne doivent pas oublier que c'est une histoire qui se passe entre une mère et son fils. Et son fils, voilà. Donc, chacun éduque à sa façon. Et nous tous, nous savons que dans ce pays, ce n'est pas facile. Et si ce n'est pas facile, ne fais pas les enfants. Parce que nous travaillons. Ne fais pas des enfants. Donc, c'est un sujet que j'ai envie de parler quand j'ai les neurones bien posés. Parce bien que j'étais, posé, là pour bloquer, j'étais là pour bloquer le pasteur, pour qu'il ne monte plus, qu'il aille dormir, pour que demain, il fasse bien son culte. Et comme il est. Donc, s'il est parti, vous me dites, je vais descendre. Il n'est pas encore parti. Donc, c'est un pasteur menteur. Normalement, il doit dormir pour être frais demain. Nous sommes déjà. Il va commencer le culte à quelle heure? C'est sûr qu'il va commencer à 6h ou 7h. Hein, pasteur, tu vas aller raconter quoi à tes fidèles? Hein? Va dormir. Va nan. Pasteur, vraiment. Oh. C'est pas bien ça. Tu diras quoi demain là, à tes fidèles? Si tu viens, tu commences à dormir, tu vas parler en langue, là, tu vas raconter alors parce que tu as sommeil. Tu étais dans le Congo, ça. Hein? Va dormir. En tout cas. Pardon, ne le prends pas. Pas mais ça, si tu le prends, ça veut dire que toi-même, tu ne l'aimes pas. Ne le prends pas. Même qu'il a dormi. Demain, le pasteur nous a dit au revoir. Il ne reviendra sûrement pas. Il nous a dit au revoir. Il est là. Il est monté. Il va me dire quoi? Que je ne connais pas. Tu as même trouvé qui t'aime, moi.
Il va me dire quoi? Il va me dire quoi que je ne connais pas? Hein, pasteur, c'est moi qui dois même te parler. Hein? Va dormir. Va, demain tu as les fidèles. Et c'est quoi ça? Hein? Tu dis quoi là? Tu es dans le Congo, ça? Demain tu vas dire quoi à tes fidèles? Tu vas parler en langue? Hein? Donc, ce sujet-là, vraiment, ça nécessite le temps. Parce vraiment. Que... Non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça nécessite le temps. Et là, il est 1h du matin, donc il faut que je dorme. Vous savez, les vieilles personnes ont besoin de sommeil. Je voulais accompagner ma fille. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci. Voilà. Content de t'avoir. Je ne sais pas si papa me sent encore la question à me poser, parce que moi, il va aller résoudre mon lit. Oui, Noélia aussi. Tu sais que Nicole aussi, elle doit retrouver son cher mari. Et puis, voilà. C'est une forme de mari. Aujourd'hui, nous avons pris la place des ténébreux. Je t'ai dit. J'ai l'habitude de faire des directs de 5h, 6h. Hein. Je t'ai dit. C'est pas étonnant. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Lydie. Merci moi, d'être passé par allez, là. Allez, bisous. Allez, amène ta mère. À tout à l'heure, non? Donc, ça veut dire que si le pasteur monte là maintenant, tu reviens. Je reviens. Il faut que le bloc ne le prenne plus. Il n'y a pas de souci. Le pasteur nous a dit au revoir. Bye bye. Merci. Ok. Il y a Ndola Moulema que je dois prendre qui est là. Il y a Ndola Moulema qui est là. Ndola Moulema, on me dit que je ne peux pas te prendre. Il y a Komoussa Piment. Je suis là. Exactement. Komoussa Piment, parce que chez vous là-bas, vous êtes seulement en train de vous réveiller, donc... Les Européens peuvent aller dormir, les Américains veulent parler. Moi, je vais parler au sujet... On a fini avec le sujet de Nicole, non? Maintenant, là, moi, je vais seulement intervenir par rapport à l'affaire de l'enfant. Parce que... Mon papa peut partir. Si... Mais si tu veux rester, tu restes. Non, si non, tu n'as pas sommeil. Non. Comment c'est Nicole qui est l'invitée ce soir. On ne peut pas changer de débat tant qu'elle est là. Non. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle reste seule, la seule n'a pas sommeil, non. Ça ne va pas grimper, ma fille, tu veux aller grimper le cocotier, tu nous dis. Hein? Bien sûr que c'est depuis 5 ans. Tu veux aller chercher le petit frère de Marie. De Marie, tu nous dis. On comprend ça. Il est quand même 1h15, elle doit aller donc. Bon, mais on peut encore parler, non. Le sujet, moi, c'était par rapport au sujet de l'enfant. Je voulais juste... parce que j'ai écouté Amer Kamer dire que c'est les parents, c'est les mamans qui élèvent les enfants, c'est eux qui ont la responsabilité. Quand l'enfant échoue, c'est comme si c'était la faute de la mère. Moi, je voulais juste dire que Dieu n'était pas fou de donner à un enfant deux parents, un père et une mère. Un enfant équilibré a besoin d'avoir son père et sa mère. Les deux éducations sont importantes pour l'enfant. Parce que l'homme africain pense toujours que non. Lui, il est seulement le metteur. Donc, lui, il vient, il met. Et la femme est celle qui éduque. Oui, l'éducation de la femme, de la maman est importante. Mais l'éducation du père est aussi hyper importante. Quand nous, on était petits, on avait peur de notre maman jusqu'à un certain âge. Mais, on joue avec la maman, mais on ne joue pas avec le père. Quand c'est fort, là, la mère dit que attends quand ton père va arriver. Ça veut dire que tu as dépassé le cerveau de la mère. Il te dit seulement quand la mère te disait qu'attends quand ton père va arriver. Toi-même, tu commences à mettre les pieds où il faut. Donc, de nos jours, il ne faut pas que les hommes, parce que la majorité des hommes de nos jours pensent que non. Ils sont là pour se balader partout, distribuer les enfants, et c'est les mères qui ont la responsabilité d'être le père et le fils et le Saint-Esprit dans la vie des enfants. Les papas aussi sont responsables de l'échec de l'éducation d'un enfant. Ça, c'est d'un.
Maintenant, en deuxième position, en ce qui concerne le fait d'envoyer les enfants en Afrique, moi, en tant que parent, il y a des moments que j'ai aussi effrayé les enfants. Quand l'enfant n'écoute pas, tu dis comment il va t'envoyer au Cameroun. Hein? Tu parles seulement comme ça pour faire le sissia. Mais dans la vraie vie, moi, je ne peux pas porter mon enfant, j'envoie au pays. C'est cas par cas. Hein? C'est cas par cas. Mais moi, je trouve que cette façon de porter souvent les enfants envoyés au pays, là, c'est des choses qu'il faut bien revoir. Parfois, tu envoies les enfants au pays, ils partent encore là-bas. Il y a les délinquants partout. Il n'y a pas seulement les délinquants en Amérique ou en Europe. Même au Cameroun, on voit les enfants. Quand je partais souvent faire les dons au Cameroun, à l'avenue Kennedy, je vois les enfants qui fumaient le tas. Et ce n'était pas les enfants de l'Europe, ce n'était pas les enfants de l'Amérique. Les enfants échouent par terre. Il est temps que chaque maman, chaque papa, que chacun pose ses fesses par terre, prenne ses responsabilités et éduque son enfant comme il faut. Même comme rien n'est coulé sous le béton. Parce que la réussite d'éducation d'un enfant aussi, il y a aussi la grâce de Dieu dedans. Il n'y a aucun parent qui a dit que bah, c'est taper la poitrine, que non, je connais éduquer mon enfant ou je sais trop bien éduquer l'enfant. Il y a aussi la chance, il y a la grâce dans tout ce qu'on fait. Il y a les enfants qu'on a tapés, on a tout fait. Ils sont devenus seulement que des bandits et des grosses bordels. Donc, juste pour dire qu'il faut que certains papas déposent facilement la responsabilité sur la maman. Non, les enfants ont besoin d'une mère, les enfants ont besoin d'un père. Je n'étais pas fou de dire que l'homme monte sur la femme et les deux ensemble se mélangent pour faire l'enfant. C'était parce qu'ils savaient qu'il fallait encore s'asseoir et les éduquer ensemble. Afin de faire de ces enfants-là des bons produits dans la société. Donc, moi, c'était un peu ce que je voulais ajouter là. Comme Lily l'a dit tout à l'heure, c'est un débat qu'on va organiser et c'est un débat qui va concerner beaucoup de femmes parce que très souvent, comme tu l'as dit là, vraiment, l'encadrement d'un enfant, c'est entre le père et la mère. Quand c'est déséquilibré, ça veut dire que quand il manque un parent, c'est toujours un peu plus compliqué, mais voilà, on en débattra sûrement la prochaine fois avec les mamans et puis peut-être... Non, il faut nous lancer le débat, là, Tania. Avec les mamans, tu invites aussi les papas. Deux mamans, tu invites deux papas. C'est trop facile de croire que c'est la maman seule qui a le devoir d'éduquer l'enfant. En parlant du pasteur, là, vraiment, moi, je croyais d'abord au pasteur Sietane. Je voulais mettre mes cœurs pour le pasteur, là. J'ai même mis les cœurs. Mais c'est un pasteur Kwakwato, hein. Mais Tani, le pasteur là, connaît le Congo, ça même plus que moi-même qui suis... Le père là, connaît le pasteur là, connaît le Congo, c'est Tani, on fait ça comment? Un pasteur peut connaître le Congo, ça comme ça, Adama. C'est un homme de Dieu, moi je parle pas mal des hommes de Dieu. Je suis d'accord avec toi, Tani, mais quand même, de toi à moi. Moi-même, je lui mettais le cœur, mais il connaît trop le Congo, ça. Hein? Moi, je ne peux pas accuser un homme de Dieu d'aller dans des endroits obscurs, parce qu'en fait, c'est leur travail. Un homme de Dieu doit aller chercher les âmes perdues. Et les âmes perdues sont toujours dans des endroits obscurs. Donc, c'est un peu normal qu'ils se retrouvent dans des endroits pour prêcher. Le pasteur, c'est un ténébreux. Non, moi, je suis mais homme, même qu'il est même ténébreux, mais le père là, il est dans le Kwakwato. Hein. Hey, Je voulais un peu briefer un peu par rapport à la vanne que Ahmed Kamel t'a fait tout à l'heure en disant que tu supportes Lolo. Ahmed Kamel, tu ne supportes pas Natacha par rapport à ma pépé. C'est ça. Il faut aussi dire ça aussi. Tu viens de finir avec notre père ici à cause de Lolo. Comment tu fais la même chose avec Natacha? Non. Tu fais la même chose avec Natacha au détriment de ma pépé. Oh, laisse-moi, je fais le Congo. D'ailleurs, il faut respecter le choix de tout un chacun.
Voilà, et de Dieu. Merci de le vouloir, m'a déjà avoir répondu. Voilà. Amen, Amen, mon père, comme tu as dit, tu vas refaire notre direct par rapport à le sujet, parce que là, c'est le sujet de Nicole. On ne va pas gâter ça. L'enfant là, Amen, Amen, il dit que je ne suis pas du tout content par rapport à son opinion, parce qu'il a dit la maman, et ça, il dit que l'enfant a 12 ans. Le père me sent. L'enfant n'a pas 12 ans. L'enfant est malin, tout son écouter la voix de l'enfant. Et il dit que il a eu le papa, il a eu la maman. Je suis désolé, il n'a pas eu tous ces gens-là. Sinon, il n'avait pas dit que la maman c'est le waka. Et il y a encore des raisonnements. Une personne qui n'a aucune garde de l'enfant, comment on dit, aucune garde de l'enfant, je ne sais pas comment on dit, Voilà. Et c'est tellement facile de juger la maman. Après, quand on lui pose la question, il dit carrément qu'elle est-ce qu'elle est obligée de faire un enfant? Non. Elles vont faire enfants, mais il faut qu'on débatte sur ça, parce que lui, là, il faut que je lui reconnais, il faut qu'il soit là ce jour-là. Parce que je n'ai pas aimé dire que la maman allait laisser l'enfant au Cameroun pour venir faire le waka. Hein? Puis, une personne qui n'a pas une responsabilité, tu ne peux pas raisonner comme ça. On sent que c'est quelqu'un qui est sans sentiment. Tu ne peux pas raisonner. Tu sais que tu peux faire ton buzz. Tu voulais faire ton buzz, mais quand tu manques, tu dis que l'enfant a 12 ans. Comment l'enfant a 12 ans? Comme tu entends la voix d'un adulte. Et tu viens encore de regretter encore sur chez le père, me sent, en disant que tu as eu le papa. Il faut qu'on débatte sur ça, mon père. Il ne faut pas laisser ça là. Non, ça c'est sûr. J'ai vu que ça intéresse les gens. On va en reparler. Moi, les sujets comme ça là, qui concernent mère et enfant, très souvent, je les évite. Parce qu'en fait, c'est comme des sujets qui concernent mari et femme. C'est tellement profond entre la mère et le fils que quand tu parles de ce sujet, il faut très, très bien le connaître. Parce qu'il y a toujours des choses qui nous échappent. Non, mon père me sent. Moi, j'ai fait le débat deux fois sur Mélodie Técancé. Je suis resté sur le fait que l'enfant, on reste sur le débat sur l'enfant. Parce que s'il faut entrer dans les détails, là, on n'a pas eu la version de la maman. On est vraiment... Exactement. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Moi, j'ai resté sur l'enfant. L'enfant, parce que quand on voit le ton que l'enfant parle en au secours, en disant la police, on sent que, mais on, c'est là où tout le monde se dit, mais la maman a bien fait de faire rentrer cet enfant-là. Ça veut dire que l'enfant était déjà délinquant. On peut imaginer la souffrance de la maman. Voilà. Vraiment. Donc, moi, et quand il dit qu'il a eu la version de la maman, pourquoi elle a insulté la maman que la maman est waka? Il fallait qu'il vienne nous dire qu'est-ce que la maman a dit. Comment il a bon menti, dit comment, en plein direct, l'enfant l'a appelé. L'enfant de 12 ans, appelé à mec, à mec. Tous les blogueurs qui sont dans le comment dire, sur Facebook. Et un enfant de 12 ans, père à mec. Non, je ne peux pas dormir. Non, je ne peux pas dormir. Excusez-moi, je ne pouvais pas dormir. C'est une histoire de crédibilité. Je suis monté dans le direct de M. Messan par respect pour lui. J'ai respecté tous les panélistes, vous tous qui étiez là. Je n'ai manqué de respect à personne. Tout à fait. Je n'ai pas prôné la paix. Si vous pensez que je suis un faux serviteur de Dieu, au point où vous écrivez des bêtises en ce qui me concerne, vous vous asseyez, vous riez, comme si vous parliez d'une vulgaire personne qui vient saouler au bar. Ça me fait très mal en tant que personne. Je vous ai trop respecté pour le faire. Je ne mérite pas ce traitement. Nicole, je n'ai rien dit de méchant en ce qui te concerne. Le grand méchant, pareil. Je suis serviteur de Dieu. Ah, c'est pour le pasteur qui est chez le morgue, là. C'est lui. Oui. C'est moi. Et je suis ici chez vous. Je sais que vous supportez Fleur de Lille ici. Vous supportez Fleur de Lille. Qu'est-ce que je fais ici? Je ne comprends pas, madame, que tu vas venir pastorer. Non, mais non, je veux dire, si je me retrouve ici aussi, est-ce que c'est parce que je supporte Fleur de Lille? Tu as parlé, je sais pourquoi. Parce que donc, je suis en train de vous dire ceci, s'il vous plaît. Mm-hmm. Je voudrais que vous gardiez ceci dans votre esprit. Je suis venu ici par respect pour vous. Je suis venu ici parce que j'ai été touché par ton histoire, Nicole Kecha. Je ne te connais pas. J'ai été touché par ton histoire. Tu n'as pas pu se déranger quand même. J'ai été touché par ton histoire. C'est pour ça que je suis venu. Ouais, et t'encourager et t'orienter. Vous avez tout mélangé. Vous avez, ouais, vous avez à la limite insulté la personne que je suis. Que tous ceux qui pensent que je suis dans les ténèbres reçoivent les ténèbres et y restent. Vous recevez les ténèbres dans vos vies, dans vos activités et dans tout ce que vous faites. Je le dis en tant que serviteur de Dieu avec autorité ce soir. Je ne reviens pas. Je suis désolé d'être. Je suis très énervé. Je suis très désolé d'être descendu dans votre direct, monsieur Messan, d'avoir été traité de la sorte, alors qu'avec beaucoup de respect, je vous ai tous parlé. J'avais un seul message. C'est la dernière fois que je me présente ici. Je tenais à le dire avant de me coucher. Je tenais à vous donner les ténèbres. Vous tous qui avez dit que je suis dans les ténèbres.
je vous les renvoie. Et vous saurez qu'on ne se moque pas d'un serviteur de Dieu. On ne se moque pas d'un serviteur de Dieu. Pour ceux qui pensent que je déteste Makoso, je ne le déteste pas. Ce que je n'aime pas chez lui, c'est son faux. C'est le fait qu'il vende les huiles d'encens. Le fait qu'il est faux. Parce que je suis un serviteur, je suis un vrai pasteur. À cause des gens comme lui, on mélange tous les pasteurs. Donc ne pensez pas que je sois en compétition avec Makoso. C'est son comportement qui me gêne souvent et qui m'énerve. Comprenez? Donc, en vous aussi, recevez les ténèbres dans vos vies et vous saurez. Je vous les impose au nom suprême de Jésus-Christ que je prêche fidèlement jour et nuit. Je suis un exemple dans ce pays et partout où je suis passé. Renseignez-vous bien avant de dire des bêtises sur la toile. Je te respecte beaucoup, Nicole, et toi, le grand Messan, et vous tous. Donc, il y a des blagues, et puis il y a la vraie vie. Ne jouez pas avec la crédibilité d'une personne comme ça, qui est venue avec beaucoup de respect. C'est pour ça que je devais revenir rétablir ces paroles. Et vous allez voir ce que je vous ai dit ce soir s'accomplir. C'est pour ça que je revenais. J'ai bien compris. Je voudrais rétablir quelque chose. C'est quand même, vous êtes tous, c'est vrai que l'invité ce soir, c'est Nicole. Et par rapport à Nicole, il y a d'autres personnes, comme par exemple le pasteur qui est rentré et tout. Mais pasteur, je voulais quand même te rappeler quelque chose. Je ne te rappelle pas ce que c'est que la toile. Tu fais beaucoup de tu voyages dans la toile, tu vois comment ça se passe. Exactement. Voilà, nous sommes là pour passer un certain message, mais nous ne sommes pas responsables de ce que les gens interprètent. C'est ça. Donc, moi ici, jusqu'à ce que vous êtes revenu là, j'ai toujours dit que pour moi, il faut respecter un homme de Dieu. On peut ne pas être d'accord sur ce qu'on dit, mais le fait de porter la tunique de l'homme de Dieu, moi, c'est ce qu'on m'a appris, je respecte ça. Mais on ne peut pas partager, même si on ne partage pas les mêmes choses. Mais maintenant, toi, en tant qu'un homme de Dieu, si toutes ces personnes t'ont traité comme tu le dis et comme tu l'as très mal ressenti, je crois quand même que le message profond d'un homme de Dieu, il n'y a pas un homme de Dieu qui a été insulté plus que Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'a aussi personne. Il est venu avec un message de paix malgré toutes les persécutions. Donc, Nicole est morte de lui. Moi, je voudrais dans ce direct, avec beaucoup d'autorité aussi, avec beaucoup d'autorité, enlever cette sorte de malédiction que tu veux envoyer sur ces gens qui ont regardé ce direct. Parce que je crois que les paroles d'un homme de Dieu, même dans la colère, c'est vrai que quand on lit la parole de Dieu, à un moment donné, Jésus s'est énervé et il a appelé bande de serpents et tout ça, mais après il s'est retenu quand même. Je crois qu'un homme de Dieu doit apporter un message tel que tu l'avais tout à l'heure, même si tu es énervé. Et surtout que toi-même, sachant que tu es un homme de Dieu, on peut te prêter d'autres étiquettes. Tu ne devrais pas faire attention parce que toi, tu sais ce que tu es. Le devoir, c'est toujours de rappeler à ces personnes qui ne comprennent pas ce que tu es, ce que tu es exactement, au lieu de maudire, parce qu'un enfant de Dieu ne maudit pas. D'accord. Je vous dis ceci, monsieur Messan. Je vous dis ceci. Le message que j'ai envoyé est un message d'amour et de paix. Je ne comprends pas qu'après ce passage, qu'on colle une étiquette sur ma personne, parce que je ne vais pas dans le sens de ceux avec qui je discute. Comprenez? Donc, si les gens me disent de moi que je suis un ténébreux, alors que je ne le suis pas, c'est exactement ça que je renvoie sur eux. Je n'ai rien ramené d'ailleurs. Je ne fais que leur remettre ce qu'ils ont voulu mettre sur moi, parce que je n'ai rien à voir avec ce monde des ténèbres ou quelque monde que ce soit. Vous comprenez un peu, monsieur Messan? C'est pour ça que je suis remonté. Je n'ai lancé aucune malédiction. Je leur ai juste renvoyé ce qu'ils ont cherché à envoyer sur moi, alors que je ne faisais rien de méchant, rien de mal. Mais moi, ce soir, on a d'ailleurs ri. Tout à fait. Mais moi, je pense quand même qu'en tant qu'un homme de Dieu, avec l'expérience et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette onction assez spéciale qu'ont les hommes de Dieu, quand tu vois ce genre de traitement, un homme de Dieu se met au-dessus et il se dit que ça, c'est des tentations. Ce n'est pas la peine de rentrer dans ces tentations, d'utiliser un autre discours. Je ne suis pas rentré dans quelque tentation que ce soit. Vous savez, monsieur, si vous leur envoyez ce qu'il vous dit.
C'est rentré dans l'ordre 2. Monsieur Messant, c'est très important de travailler sur la réputation. Vous travaillez sur votre réputation, monsieur Messant. Et chaque, voilà. Chaque jour, vous dites que vous êtes un monsieur propre. Vous tenez à ce que ce soit ça le message quand on vous voit. Mais n'empêche que, justement, merci de cet exemple. Oui. Mais n'empêche que il y en a qui insistent à oui. dire que c'est pas le cas. Oui, mais vous tenez par votre vie, par vos actions, à faire en sorte que vous, les gens sachent que qui vous êtes, monsieur propre. Exactement. Par vos messages. Donc, les réputations se collent très facilement, comme après ce passage que j'ai fait ici, en saluant tout le monde avec beaucoup de gens, en me rabaissant devant tout le monde ici. Une étiquette m'a été collée juste après, monsieur Messant. Pasteur, sans toutefois oui. te couper, oui. je refuse que tu dises que l'étiquette t'a été donnée ici. Non, l'étiquette oui. t'a été donnée partout où tu passes. Mais c'est qu'ils disent, c'est pas ici. Ils ont oui, remarqué que... Attends, c'est pas ici qu'ils te donnent cette étiquette, non. Monsieur Messant, je suis passé ici chez vous, c'est pas la première fois que je passe. J'étais venu lorsque Chantal et ici étaient là. Chantal okay. est ici avec qui je prie. Okay. J'étais en Hollande ce jour-là, vous m'aviez pris sur votre direct, Tout à fait. Monsieur Messant. Tout à fait. Et si les gens disaient que je suis un partisan de Messant, ou bien une personne de la lumière parce que je suis passé chez vous, ce serait faux. J'étais venu parce qu'il y avait une émission qui m'avait intéressé. C'est pareil quand je suis passé chez monsieur. Maintenant, dans le concept dans lequel nous sommes, comme toi-même tu l'as évoqué tout à l'heure, tout de suite quand tu as pris la parole, tu as dit, tu sais que ici, là, on défend Flore de Lille et tout ça, non? Tu devrais comprendre, voilà, tu devrais donc comprendre le concept dans lequel tu es rentré où tu fréquentes une personne qui n'aime pas du tout Flore de Lille. Est-ce que je vous fréquente? Non, attendez, justement. Non, c'est pour ça que je voulais me corriger. Oui. Vous passez dans les directs des personnes qui insultent Flore de Lille et oui. vous n'avez jamais demandé à ces personnes de ne pas les... Mon père, même compresseur précise, pardon mon père. Et même non, écoutez, moi j'ai parlé, compresseur me connaît très bien. Compresseur, c'est ma soeur. Pasteur, compresseur me connaît physiquement, personnellement. Demandez-lui qui je suis, elle va vous dire. S'il te plaît. Ça me dit que quand tu es dans un direct, regarde par exemple ce que j'ai fait avec Nicole. Lolo, c'est quelqu'un que je ne fréquente pas, on ne s'appelle pas. On s'est fréquenté à un moment donné, mais depuis, on ne s'appelle pas. Mais si on se voit, chacun garde le respect de l'autre. On se dit bonjour poliment et tout et tout. Ensuite, quand Nicole a pris la parole, j'ai demandé à Nicole, avec toute l'humilité, de ne pas appeler Lolo comme elle appelle dans ce direct, de ne pas l'insulter, en fait, en gros. Donc, maintenant, tu peux comprendre que toi, en tant qu'un homme de Dieu, si tu fréquentes un direct, par exemple, tu es rentré dans mon direct, tu me trouves en train d'insulter une femme, la chose que tu vas me demander, c'est de me dire d'arrêter, de ne pas insulter. Ils avaient insulté Nicole un jour. Monsieur Messant, j'étais dans un direct de jour où on insultait Nicole. Ils avaient dit arrêtez de l'insulter, arrêtez de l'appeler ainsi. Je l'avais fait. J'étais entré sur la page des Com Amougou et je leur avais donné des conseils concernant toutes qui êtes sur la toile. Et toi, et Flore de Lille, et tous ces gens. J'avais dit d'arrêter qu'on t'insulte. Je crois que tu avais suivi ce direct. J'avais demandé qu'on arrête de t'insulter et de t'appeler Isaacam. Je l'avais fait. Et j'étais sur la page des Com Amougou. Beaucoup de gens sont témoins de ces choses. Je n'ai jamais été dans un direct, monsieur Messant, où on insulte une personne et je laisse en riant, comme si je ne savais pas pourquoi j'étais là. C'est ça, moi je pense que c'est ce que ces personnes reprochaient ici. Je ne l'ai jamais fait. Et pour ceux qui me suivent, dites-le à cette jeune dame, le jour où il l'avait insulté devant moi, j'ai dit ne l'appelez plus Isaacam, ne l'appelez plus comme ça. Je l'avais fait. Donc, que je sois passé là-bas et qu'on me traite d'être un ami de Décom, alors je suis ton ami, monsieur Messant. On se parle tout le temps parce que je suis passé dans ton direct. Exactement, ça c'est vrai. C'est pour ça que j'ai rectifié. T'as complètement raison. Donc, il faudrait qu'on garde un peu la tête sur les épaules. Je ne cherche pas à amener Nicole dans quelque camp que ce soit. Je ne gagne rien. C'est-à-dire, je ne gagne vraiment rien. Je suis satisfait de voir, par exemple, que la vie de quelqu'un a changé à mon contact positivement. C'est ça que je gagne. Est-ce que vous comprenez? Mais je pense quand même que Pasto, avec l'enseignement biblique et même spirituel que tu as. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un pasteur va dans des endroits obscurs justement pour sauver des âmes. C'est ça le travail d'un pasteur. C'est pour ça que je suis là. Donc, monsieur Messant, oui. Monsieur Messant,
Si vous me voyez combattre les Camille Makoso et que les gens pensent que je lui en veuille, c'est parce qu'ils se font de l'argent à faire ceci. Monsieur me sent, je suis pasteur. Je prêche les vendredis, samedis et dimanches et en semaine, je travaille comme conseiller d'orientation dans un lycée. Je ne suis pas payé en tant que pasteur, monsieur me sent. Je ne prends aucune offrande, monsieur me sent. Je le dis ici sur votre mur devant plus de 500 personnes qui peuvent vérifier ce que je dis. Donc, quand je me sens insulté dans ce que je fais de tout mon cœur et avec la force de Dieu, je ne voudrais pas que ma réputation soit gâchée parce que je suis passé chez vous, monsieur Moussan. Et je n'ai rien fait de mal ici. Qu'on n'insulte pas mon passage après que je sois venu ici. Que Nicole Ketcha, à qui je n'ai pas manqué de respect, dise « Missy prend les gens pour un fou, c'est un ténébreux ». Non, ça ne me sert à rien d'être une ténébreux ou lumière. Ça, c'est des petites personnes devant moi. Ça n'a rien à voir avec moi, monsieur Moussan. Je n'ai pas envie d'être dans un camp ou dans un autre. Est-ce que vous pouvez choisir entre les gens qui vous entourent, monsieur Moussan? Non, mais justement, c'est pour ça que je vous expliquais. Vous avez été avec Lolo à la télé l'autre jour. Vous êtes avec Perpétue, votre petite sœur. Vous ne choisissez pas entre les gens qui sont autour de vous. Parce que vous êtes un grand. On ne peut pas vous mettre dans un camp, monsieur Moussan. Non, pas du tout. C'est pour ça que je suis revenu ici. Et j'ai dit, ce que vous m'attribuez, reprenez-le. Que ces ténèbres restent avec vous. Je ne suis pas dans les ténèbres. Et c'est ça qui est là, monsieur Moussan. Non, mais de toute façon, moi, je ne peux pas être d'accord avec les personnes. Je le réitère encore, moi, je respecte les hommes de Dieu. Je ne suis pas obligé de partager leurs idées et tout. Mais quand on a déjà la tunique de l'homme de Dieu, maintenant, moi, malheureusement, ça tombe dans mon direct. Mais je ne suis pas responsable des paroles de ces personnes. On est au moins d'accord sur ce cas. Non, vous n'êtes pas responsable. Mais quand je tenais à monter, monsieur Moussan, il y en a qui se sont moqués, qui ont ri, va coucher avec ta femme et va te coucher. Et ceci, des choses assez impressionnantes. Mais elles devront me contacter après ces personnes. Elles devront le faire. Mais je crois que c'est aussi ton travail de prêcher ce genre de personnes parce que en tant que homme de Dieu, vous savez bien que l'être humain, non seulement il est divers et ondoyant, et Christ Jovi, que les ténèbres t'accompagnent dans tous les aspects de ta vie, au nom de Jésus-Christ, dans tous les aspects de ta vie, dans tout, et cette semaine que cela se manifeste dans ta vie, si je suis serviteur de Dieu, mais si je prie dans ma vie, Christ Jovi, que les ténèbres t'accompagnent, au nom de Jésus-Christ. Je suis passé contre vous, tu viens gâter mon beau là, ce que j'ai fait. Je suis non. Non, je le fais parce que j'ai insisté, j'ai pendant près d'une heure de temps demandé à remonter. Je n'allais pas insulter Lily de la Tour. J'allais lui parler normalement, lui dire ma soeur, ça n'a rien à voir ce que vous racontez. Mais vous avez tellement ri, comme si un fou est en train de se mouiller sous la pluie et cherche à rentrer, que je me suis dit non, je vais rentrer dans ce truc. On s'est moqué de Jésus. Non, mais vous, on s'est moqué de Jésus, pourquoi, monsieur Moussan? Parce qu'il est non seulement serviteur, mais c'est un enfant de Dieu. On n'a pas compris. Monsieur, ne savez-vous pas qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont invoqué le feu et le feu est tombé, monsieur Moussan? Ne savez-vous pas? Bien sûr. Monsieur Moussan, j'étais dans une veillée un jour, dans un village au Cameroun. Je venais d'Europe et les gens qui avaient bu le vin étaient en train de boire et de faire du bruit. Et j'avais dit quelque chose ce jour-là, monsieur Moussan. Toute personne qui fait encore du bruit pendant que je suis en train de prêcher ici, va perdre au sens. Le lendemain, ils étaient nombreux qui m'appelaient pour que je prie pour que leur sexe se réveille encore. Monsieur Moussan, si Dieu avait entendu ma prière ce jour-là, je suis sûr que Dieu entend ma prière parce que je ne maudis jamais. Je passe mon temps à bénir. Je passe mon temps à bénir, monsieur Moussan. Donc, ça me fait... C'est aussi le travail. Ça m'attaque au visage directement quand on me colle des trucs comme... Voilà. Non, mais un homme de Dieu, de toute façon, un homme de Dieu ne peut pas maudire parce que la malédiction ne passera même pas. Ce n'est pas son travail. Non, je ne suis pas en train de vouloir entrer en défi avec vous, monsieur Moussan. Je ne vais pas vous répondre à ce niveau. Je ne vais pas le faire, monsieur Moussan. Mon téléphone va s'éteindre. Je vais aller me coucher. Monsieur Moussan. De toute façon, moi, je pense qu'on a fait un très beau direct. Je suis très heureux d'être revenu ici et d'avoir dit ce que j'avais à dire. C'est très important de dire très souvent ce qu'on pense. Moi, je fais partie de ces personnes qui pensent comme ça. Ah oui, parce que Nicole est fatiguée. Merci beaucoup. Donc, de toute façon, ceux-là ont bien compris. Et
J'espère que dans le prochain direct, là où ils te verront, peut-être qu'ils se comporteront. Allez dire à Fleur de Lille, allez dire à Fleur de Lille que je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je lui donne souvent des conseils. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je lui donne des conseils. Dites-le à Fleur de Lille, s'il vous plaît. Quand on donne des conseils à quelqu'un, que vous disiez que vous détestez X ou Y, c'est vraiment, c'est par amour que je punis mes enfants, par exemple, et pas ceux du voisin. C'est par amour que je parle à Fleur de Lille. Ok, ok. On passera le message. Merci. D'accord. Merci. Donc, Nicole. Oui, mon papa, Nicole est fatiguée. J'espère que tu es très fatiguée, mais merci d'avoir. Même Tolo Kouréma est toujours là. Oui, je suis toujours là. Moi, je voulais juste dire, j'attends le rendez-vous. Il faut qu'Amel soit là. Il faut qu'on règle ce petit... Non, c'est un direct que je vais préparer, voilà. Je vais contacter. C'est ce que moi j'attends. Voilà. C'est très important, c'est un direct qui est assez important parce que ça concerne les mamans, la maman et puis... Parce qu'on condamne déjà beaucoup la maman, alors que la maman n'a pas encore dit son mot, exactement. N'a encore rien dit. Et moi, je veux qu'on fasse le sujet par rapport à ce que l'enfant a sorti dans sa bouche, qu'on reste sur ça, en fait. Tant qu'on n'a pas encore eu la version de la maman. Tout à fait. Et voilà, donc j'attends beaucoup de règles. Et surtout, j'ai l'impression qu'on joue sur l'âge de l'enfant. On ne sait même pas quel âge il a exactement. Voilà, c'est ça. Mais en attendant, ça va, on sent qu'il est presque majeur. Parce qu'il a quand même des propos durs quand même envers sa maman. On peut imaginer ce que la maman a enduré. Tout à fait, tout à fait. Voilà, après, donc... C'est par respect, il y a encore... plus de 500 personnes qui sont connectées là, mais bon, Nicole, nous sommes déjà toutes fatiguées. J'ai essayé de prendre Maréchal Compresseur, mais ça ne passe pas. J'ai l'impression qu'il voulait dire quelque chose à Nicole. Maréchal Compresseur, on n'arrive pas. Nicole. Ça ne passe pas. Je n'ai pas pu la prendre. Et là, je vais prendre une dernière personne. Après, on va libérer Nicole. C'est une mère d'enfant. Nicole, moi, je peux te dire une chose encore ce soir. Hormis tout ce que je t'ai déjà dit en off, vraiment... C'est monsieur Messa, c'est... Tu es une bonne personne, malgré tout ce que tu as enduré. Je vais dire de ton départ du Cameroun jusqu'à ton arrivée, vraiment, ce que tu nous as dit ce soir. Je ne sais pas qui l'a dit là avant moi, mais je pense que les personnes qui avaient une autre idée de toi à partir de ce soir devraient voir effectivement autrement. Parce que tu as passé des moments très, très difficiles. Très, très difficile, vraiment. Tu es là où tu es aujourd'hui. Le fait que tu prononces, tu parles de Dieu tout le temps, et tu persévères, que Dieu t'a beaucoup accompagné dans ce que tu as beaucoup, fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que la Libye, c'est entre la vie et la mort. Dieu était avec toi à tous les niveaux. Non, et à tous les moments. Avec moi. Ouais, ça, je te dois le témoigner. Tout à fait. Je veux dire à toutes ces personnes qui prennent cette route-là et qui, à un moment donné, arrivent, ces personnes doivent savoir que Dieu est avec elles parce que très souvent, elles cheminent avec d'autres personnes qui n'arrivent pas. Bien sûr. On voit le mot. Ceux-là qui arrivent à la ligne d'arrivée, il ne faut pas oublier que Dieu est avec vous. Et le conseil que je pourrais te donner, Nicole, c'est que quand tu sais que Dieu est avec toi, et comme tu évoques son nom très souvent, quelle que soit la douleur qu'un être humain te fait endurer, quel que soit le mal qu'un être humain te fait, à un moment donné, il faut savoir pardonner. Parce que si tu as passé toutes ces étapes-là, où les autres sont restés, c'est parce que tu es une bonne âme, c'est parce que tu es une âme que Dieu a préservée, et Dieu, c'est un Dieu de pardon, quelle que soit la méchanceté. C'est pour ça que j'ai rappelé au pasteur tout à l'heure, même s'il est énervé en tant que pasteur, le côté spirituel voudrait que tu pardonnes. C'est ça. Comme la parole de Dieu le dit,
pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est vrai. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a dit, c'est les paroles de Dieu, ce n'est pas les paroles d'un être humain. Nous avons de la chair. Ça fait que quand on est énervé, on va... Moi-même, je te parle. Je suis très impulsif dans la colère. Mais il y a des choses que j'ai fait dans la colère. Après, je me suis mis les mains sur la tête. Je dis, c'est pas possible. Vraiment. Et je le dis tout le temps ici, quand je fais mes directs, que je rends grâce tout le temps à Dieu de m'avoir donné la femme que j'ai. Parce que tellement me maîtriser. Parce que moi, je sais que quand je vivais seul, il y a beaucoup de choses ici sur la toile que je ne supporterais pas. Mm-hmm. Il y a beaucoup que je serais déjà passé à l'acte depuis longtemps. Mais quand elle est là, elle m'apporte les paroles, elle dit les choses comme il faut, elle me ramène à la réalité, parce que ça aussi, il faut savoir ramener très souvent un homme ou une femme qui est en colère à la réalité. Et quand toi, tu revois ton parcours, Nicole, c'est-à-dire, quel que soit le mal que nous sommes faits en chair, tu peux t'énerver, mais il faut savoir laisser passer les choses parce que tu es, comme on dit souvent, tu es une élue de Dieu. Si tu n'étais pas une élue, tu ne serais pas arrivé en Italie. Non, ne serais pas arrivé, franchement. Si tu étais quelqu'un qui est parti du Cameroun ayant fait des mauvaises choses, tu ne serais pas arrivé. Voilà. N'est pas arrivé. Voilà, oui. Donc, à un moment donné, moi, je pense que, c'est-à-dire, le parcours que tu as eu là, c'est beaucoup de respect. Et les petites choses ne devraient pas te déranger. Tu devrais passer dessus et te dire que, une fois comme ça, tu sors, tu dis ce que tu as envie de dire, et puis le lendemain, tu passes à autre chose, quoi. Tu te dis ça, si j'ai échappé à la mort, ce n'est pas les intrigues des personnes qui changeront ma vie. Ah, oui, hein. Donc, c'est vrai. Moi, j'étais très content de ton passage ce soir. J'espère que ça a aidé certains Camerounais. Vraiment, j'espère bravo, Nicole. J'espère vraiment que ça a aidé certains Camerounais. Et je prie encore Dieu, surtout, de te donner la force de continuer à faire ce que tu fais dans les contrats que tu signes. Parce que, tu sais, les personnes les plus méchantes dans la vie, c'est des personnes qui ne sont pas occupées. Vraiment. C'est des personnes qui n'ont rien à faire. Mm-hmm. Quand tu as de l'amour à donner et de l'amour à recevoir, tu n'as pas beaucoup de temps pour la haine. Vraiment, vraiment. Et quand tu as tout ça, et en plus de cela, tu as des occupations comme tu en as, vraiment, moi, je crois qu'il faut faut encore prier Dieu qu'il te donne encore plus de contrats. Et surtout, qu'il te donne la force de réaliser tout maman, ça. Maman, il manque 10 personnes. Et surtout, Tap Seine, là, franchement. Voilà. Une bosse qui peut de nulle part, demain, devient ambassadrice de Tap Seine. Voilà. C'est pour ça que je t'ai posé la question, si tu es l'aîné de ta famille, en tant que aîné, tu as beaucoup de responsabilités qui sont tellement énormes par rapport à cette énergie que tu peux mettre tout le temps. Je ne te dis pas de ne pas répondre aux gens qui t'insultent. Tu peux répondre une fois et après tu passes à autre chose parce que ton énergie, tu as besoin de le canaliser sur ton enfant, sur ton mari et sur ce qui te donne la vie. Parce que nous sommes faits de chair, nous devons travailler pour vivre. Donc vraiment, moi, je ne peux que te dire merci. Et puis, de toute façon, je pense que tu es sur le bon chemin. Et tu es très bien encadré et continue juste à faire du bien. Et tu verras que le bien ne sera jamais perdu. Toi-même, merci tu vois beaucoup. Toutes les attaques que tu as sur la toile, ben, tu signes des contrats. Donc, je crois que c'est là-bas que tu dois plus te canaliser que de rester dans le... Voilà. Donc, si la famille, vous êtes encore 500. Connecté là, il est 2h du matin bientôt. Je dis encore non, merci vraiment à Nicole. Mais ça, chaque fois que tu as les directs, je dis que tant que tu ne les tiens pas, mes yeux sont énormes. Tu veux que tu nous hypnotises ce soir, tu veux comment? Mais ça dépend aussi de l'invité que tu as. Tu sais, Nicole, c'est quelqu'un qu'on aime bien dans les réseaux, donc toutes les personnes qui sont là.
C'est comme si tu disais non. Tu dis, oh, mon mari dit, va dormir, il dit que je suis là. Yeah. Hey. Il dit que. Maman, mon père, comment tu fais souvent ça? Dolo Poulema, Nicole et toutes les personnes connectées ici, vraiment, merci à vous tous. Merci d'avoir été venus. Et puis, surtout, j'espère que ce direct a servi à quelque chose, surtout. Vraiment, ça a servi. Message que Nicole a voulu nous faire passer ce soir. Effectivement. Et je voudrais encore m'excuser une fois de plus auprès du pasteur et de lui dire que moi, je ne suis pas responsable de ce que les gens pensent ici. Mais en mon nom personnel, moi, je respecte les hommes de Dieu, même si je ne peux pas partager leurs idées. Mais quand on a la tenue de l'homme de Dieu, je le respecte. Et qu'un homme de Dieu devrait plutôt bénir que de maudire. Donc, je pense qu'il ne devrait pas se laisser emporter par la colère. Non, puis, là, j'étais vraiment en colère, vrai. Voilà, mais j'espère que c'est un homme de Dieu. La nuit, quand c'est conseil, d'ici demain, il aura changé son avis. Donc, merci à vous, la famille. Nicole, merci, on est ensemble. Je vais faire un gros bisou. Je voulais faire un gros, gros bisou à la star, vraiment. Que tu la protèges, que tu la bénisses et qu'elle continue à te protéger comme elle le fait là. Vraiment, c'est une bonne maman. Et on regarde toujours ses recettes. Que vraiment, que Dieu te longue vie dans votre couple. Et un gros bisou à elle. Nicole, tu étais mon invité, je te donne le mot de la fin. Voilà. Quand on finit, on arrête le direct, juste le mot de la fin et on va te séparer. Merci à tous les aimés, merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour me suivre. Merci à ceux qui ont partagé le live, merci à tous ceux qui sont entrés dans le direct, écoutez ce qu'il y a, j'espère que le message va passer. Merci à mon papou, merci beaucoup à tout ce que tu as fait pour moi, merci à ça, mes enfants. Que le Seigneur vous bénisse et que vous me pardonnez encore ce que j'ai pu faire. Ce que je vous ai insulté dans le passé, comme me pardonner. Et puis, c'est tout. N'ai plus rien à dire. Voilà. Merci à vous. Et un titre de rappel, juste pour finir, le code Nicole chez CapTap, c'est Bio 237. Nous envoyons. Bio 237. Nous envoyons tout de l'argent en Afrique. Dans les 10 personnes qui ont encore téléchargé, allez télécharger vite. Il manque 10 personnes. Les 10 personnes qui ont téléchargé, qui n'ont pas encore envoyé l'argent. Que les 500 personnes qui sont là, pardon, allez télécharger l'application TapTap. On me demande seulement 10 personnes pour être ambassadrice officielle. Ça grise, oui. Je te dis. Allez télécharger. Bio 237, le code de promo. Voilà. Donc, apportez ce coup de pouce à Nicole. Merci beaucoup. Merci. Merci. Pour qu'elle devienne ambassadrice vraiment à temps plein de TapTap. Et puis, on est vraiment ensemble. Merci du direct. Merci à vous toutes. Merci à ceux qui m'ont partagé. Bonne soirée. Merci à ceux qui étaient par la fenêtre. De toute façon, on est ensemble. One peace, one love. Ciao, ciao. Ciao, mon père. À la TKC, les PDGistes et tout le monde, bonne nuit et bon dimanche à vous. Bye bye. À très prochainement pour un autre direct. Ciao, ciao.